Bonjour à tous. Comment ça va? Salut bande de moules. Salut bande de moules. Bah non, pas encore. Ah, non, putain, mais c'était la surprise. Enfin. Ah bah tiens, regarde, voilà. Hop là. Voilà. Maurice est avec nous aujourd'hui. Ah, t'es en forme? Ouais. Et vous, vous êtes en forme aussi? Vous répondez pas. On n'entend rien, c'est pas grave. Bon, on va faire encore l'intro la plus longue et la plus chiante du monde. Hein. Pire que la semaine dernière, les mecs. Ah merde, j'ai oublié les règles en plus. Bon. T'as oublié les règles? Oui. Bon, bah, je te laisse te faire du coup, non? Ah ouais, parce que t'as oublié les règles. Ok, bah les règles, juste comme d'hab. Putain, ça m'énerve ça. Comme d'hab, nous avons des caractéristiques, n'est-ce pas? Qui mais sont oui, en pourcentage, fait. N'est-ce mais pas oui. Et donc, ils doivent lancer 2 des 10 et le résultat doit être égal ou inférieur pour réussir. 2 des 10 un des unités, un des 10, voilà, on s'en fout, d'y face. Et également. S'il y a 0-0-0, c'est un échec critique. S'il y a 0-0-1, c'est une réussite critique. Il y avait d'autres choses? Oui, vous pouvez aussi parler le démoniaque, tous autant que vous êtes, hein. Une sorte de langage un peu dégueulasse, vous rotez et pétez à longueur de temps. Il n'y a que vous qui pouvez le parler. Et uniquement, putain, c'est à peu près ça et c'est compliqué. Et les anges, par contre, peuvent également le comprendre. Tu fais un petit boutichèque là, c'était un boutichèque de derrière les fagots. C'est ça, c'est un peu coquin pour commencer, c'est bien. Hein. C'est pas mal. Il n'y a pas de point. Ah, je me revois sur la vidéo, effectivement, c'était un peu coquin. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Arnaud? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Eh bien, c'est une excellente question, je te la pose bien. Est-ce qu'il y a alors, Adblock. Ah oui, Adblock. Alors, attends, avant Adblock, est-ce que Chétan pourrait fermer sa gueule? Hein, t'es d'accord ou pas? Ah, complètement. Hein, ouais, voilà, tu vois. Prends-toi bien un doigt dans la tronche. Voilà. Alors, Adblock, les petits potes, là, la petite main qui est blanche sur un panneau rouge en haut à droite de votre écran, vous cliquez dessus, vous désactivez Adblock parce que vous avez envie qu'on gagne du blé. Ah, ouais, juste merci, là. Ici. Là. Est-ce que cette fois-ci, Arnaud va y arriver. Désactivez Adblock, mais oh, c'est brillant. Le premier coup. Et le panneau devient gris. Voilà, belle performance de la part d'Arnaud. Là, c'est bien. C'est une bec et une bière, ça. Voilà, alors ça, c'était Adblock. Donc, c'est pour nous acheter des pains au chocolat. Mais pour aller un la petit voiture. Peu plus level up, la voiture, parce qu'on a déjà une Porsche chacun, mais c'est pas assez. Du coup, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire des dons de la valeur que vous souhaitez. Tout à fait. Sachez juste que si c'est en dessous de 10 000 euros, on fera pas le troisième épisode. À bon entendeur, salut. Donc vous pouvez nous faire des dons si vous voulez pour qu'on puisse tout simplement pour nous aider, pour continuer l'émission, pour tout ce genre de choses. Comment on fait? Comment on fait? Bah, comment on fait? C'est une excellente question. Arthur, Joam, Joam, comment on fait? Comment on fait? Joam. Alors sous le prière. Mais non, mais tu montres l'écran. Ah merde, ok. Alors. Voilà, tu descends, on descend l'écran, les mecs. On descend l'écran et on clique sur pour donner. C'est pas là du tout, Arnaud. Ah, c'est pas là? Oh là là, mais il raconte. Attends, on va le refaire. Quitte cette page. Quel génie. Ok, remonte, parce qu'il faut qu'il voit tout le process. Là, on est sur l'écran. Allez, on descend. On descend. Tous ensemble, on descend. On descend. Et non, mais on va y arriver. Et c'est le truc jaune parce qu'on s'appelle Donjon et Jambon. C'est exactement ça. Et Choam d'ailleurs. On a Choam qui a envie de s'exprimer ce soir, je crois. Bonsoir Choam, est-ce que t'es avec tes parents? Je suis avec mes parents. D'ailleurs, mon papa est juste devant. Bonjour Choam. Bonjour papa. Et ma maman est juste à côté. Bonjour. Sexy Blood. Ah, salut. Là. Ah bah... Non, elle était juste à côté. Ce soir, tu prends cher, maman Choam. Ils se sont paxés il y a à peu près un petit mois ensemble. Je vais te mettre tout ce que j'ai. Et moi, ce soir. Oh, j'aime ça, mon chéri. C'est vrai, non, bah, putain. On va faire un petit Choam. Vous voulez nous dire quoi, Choam? Non, je voulais. Tu as très bien remarqué, effectivement, qu'il fallait cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Tout à fait. De temps en temps, je remettrai le lien sur le chat pour vous aider et vous rappeler qu'on peut faire les dons. Et puis, vous mettez ce que vous voulez avec un petit message que je renverrai directement à Noc qui peut-être de temps en temps fera des petits passages avec le message que vous voulez. Alors évidemment les messages à 1€, bon on s'en fout un peu plus. Non chacun donne que. Écoutez, merci Choam pour cette intervention tout à fait intéressante. Et donc on va pouvoir commencer, je pense. Il est temps. Salut, juste, ils ont des pouvoirs, hein, voilà, chacun peut utiliser son petit pouvoir, mais vous expliquerez ou tout pas ça. Oui, vas-y, commence. Okay. Allez. Donc moi je m'appelle Jean-Fred, j'ai 32 ans. Et on commence par le milieu, c'est pratique ça.
Jean-Fred. Ouais, j'ai un vrai problème de drogue. Je suis allergique au sucre. Donc Il a changé de personnage là. C'était pas le bon ça. Je me suis trompé d'émission. Jean-Fred. Bonne soirée. Ça c'était son perso dans Vie ma vie. Non mais c'est moi en vrai en fait. Non mais je te laisse commencer du coup. Alors bonsoir, donc je m'appelle Jean Brochefort, je suis un démon de niveau 0, j'ai 77 777 ans. Je suis associé au démon Asmodi, le démon du jeu. Je suis gérant de casino, j'aime parier, je parie à tout bout de champ. J'aime proposer des paris fous aux gens, quitte à leur infliger la mort, car je suis démoniaque, bien sûr. Oui, bonsoir, n'est-ce pas ? Hein, je m'appelle Jean-Marie Le Chêne, enchanté. Donc je suis un démon, mais présentement. Donc je suis en prière à tête forcée, à cause de ma fille, n'est-ce pas ? Hein, donc je ne vois que d'un œil, hein, bien sûr, vous pouvez faire des lois d'honneur, je ne vois rien de ce côté-là, c'est évident. Et donc je fais partie des adorateurs de Malthus, hein, celui qui donne les maladies. Hein. Donc, je donne tout, cancer, choléra, peste, sida, ebola, tout ce que vous voulez. Et je vais encore créer la discorde et la maladie autour de moi, bien évidemment. Bonjour, moi je m'appelle Gérard. Je sais pas ce que je branle là, étant donné que je suis schizophrène et donc je viens de me réveiller au milieu d'une aventure que je ne connais pas. J'ai mon nain. Boris, oui, cet épisode-là, il s'appellera Boris. Elle s'appellera Boris, d'accord. Pour moi, pour ma personnalité actuelle, c'est Boris, c'est pas Boris. Okay. Parce que la consonance russe est plus violente et je suis un peu plus violent que l'autre Gérard. Vous apprendrez à le connaître. Donc je suis un démon aussi, il paraît. J'ai 9001 ans, voilà. Donc j'ai passé les 9000 ans, c'est absolument extraordinaire. Je suis un démon de la folie associé au grand démon de la folie, je sais pas comment il s'appelle. Nock. Moi non plus, j'en sais rien. Ok, excellent. Donc, Abalam, très bien. Donc, voilà. C'est vraiment des gonzesses, quoi. Donc, et voilà. Et donc, pour faire court, je peux rendre les gens fous. À peu près, ouais. Voilà. Voilà. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est lui qui a créé la Justin Bieber Wave il y a 5 ans. C'est lui qui a créé tout l'engouement. Il a rendu les gens fous. Oui. C'est lui qui a créé la règle. Il a une personnalité très sympathique. Hein, tu vois. Ouais, je suis un mec sympa. Je suis un démon très sympa. C'est vrai. Écoutez, moi je m'appelle Boniface de Gland. Je suis plutôt beau gosse. Généralement, j'ai pas mal de succès avec les femmes, les hommes, les animaux. Les penderies, si exactement. Les bébés. J'aime bien les toucher, les cintres. Je m'appelle donc Boniface de Gland et j'adore... je vénère le démon Malphace. Malphace, le dieu de la discorde, donc j'aime bien foutre un petit peu la merde. Boniface et Malphace. Là, c'est lui qui fout la merde, là, il prend mon job. J'aime bien foutre un peu la merde. Tu vas pas y arriver. Voilà, mettre la Discord par exemple. Bah écoutez, le coup de Nabila et son mec, c'est moi. C'est moi qui ai foutu le couteau dans la main de Nabila. Parce que ça me faisait marrer. Je suis aux États-Unis, mais j'écris les piges à distance pour voici. Et Fox News. Et People ou je sais pas quelle merde. Il m'a coupé dans mon speech. Voilà, donc pour l'instant, je parle intelligiblement. Profitez-en. Kiffez ma voix, profitez. A tout de suite. Ok, et ben moi c'est Satan, il faut changer un petit peu. Et maintenant, Arthur, générique s'il te plaît. Putain, j'adore dire ça. Bon. On n'est plus trop sûr de notre recrutement, là. Vous êtes vraiment des débiles. Vous avez commencé fort. À la base, vous deviez aller voir le réalisateur de Dogma, Vinke Smith, pour découvrir comment on pourrait aller botter le fion de ses anges. Lui, il a eu l'idée de génie. Avant de mourir, faire en sorte d'effacer tous les péchés, régler son ardoise en quelque sorte, pour être blanchi et finir au paradis. Et qu'est-ce qu'on fait une fois là-bas quand on est un démon comme nous ?
On défonce tout, on fout le bordel, on monte notre cul et on pisse sur les nuages. J'ai toujours eu envie de voir le Silurine passer au travers et se transformer en pluie. Bref, je disais que vous aviez commencé fort. C'était simple pourtant. Aller voir le réalisateur, adorateur de dieux celtes, et le kidnapper pour lui tirer les vers du nez. Au lieu de ça, vous avez foutu la pagaille en ville et dans une crêperie. Mais moi j'adore les crêperies les gars. C'est pas bien de faire ça. Bon, finalement, vous avez réussi à trouver sa baraque. Au 16 Baker Street, nord de Los Angeles. D'ailleurs, je fais une parenthèse. J'aime pas ce nom, Los Angeles. Je préférerais que ça s'appelle Los Demones, ou un truc dans le genre. Parce qu'en fait, tous les trucs fun qui se passent, c'est grâce à nous. Pourquoi ces cons de terriens adorent toujours des idoles chiantes à mourir, hein? Je vous pose la question. On n'est pas mieux avec une binouze et 2-3 cadavres autour? Donc, je disais, vous êtes arrivé à la maison de l'autre celte. Mais il y avait des anges. Je sais pas pourquoi. En plus, ils écoutaient une saleté de reggae. Je peux pas supporter ça. Et vous avez pas géré. Normalement, en 2 minutes, c'était fini. Heureusement qu'il y avait l'autre arriéré de schizo pour les taper avec son nain. Saleté d'ange. Ça me déprime rien que de penser à eux. Finalement, vous avez trouvé Vinke. Gros, vieux, avec des lunettes. Et vous l'avez empêché de s'enfuir. Mais d'une manière tellement pas classe. En fait, c'est ça les gars qu'on vous reproche. Vous faites le taf, mais lentement, et d'une manière dégueulasse. J'espère que vous allez trouver le moyen de pénétrer au paradis. Je sais pas ce qu'on va faire de vous sinon. Vous êtes au 16 Baker Street, dans la maison des Vinke Smith. Autour de vous, un joyeux carnage, son salon est absolument en ruine, vous avez des cadavres à vos pieds, et vous avez récupéré Vinke. Vinke, qui est en train de te faire un câlin. Tu te réveilles, tu sais absolument pas où t'es. T'as un homme gros, roux, qui est en train de te faire un câlin. Tu sais pas pourquoi. C'est quoi ce bordel? T'es qui? Gros porc sans âme? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoique, je t'aime bien, t'as pas d'âme, j'aime bien. Bon, les gars, on est où? Et t'as le mec qui te regarde comme ça? Ok. Boris? Moi, c'est Maurice, connard. Mais je vais bien m'appeler Boris, si tu... Ok. Je m'appellerai Boris. Boris. Ok, je m'appelle Boris. Boris, ça gentil. Marche. Gentil Boris. Ok. Putain les mecs, y'a encore Gérard qui a changé là. Il a switché, il va falloir plus lui réexpliquer. Ah putain Gérard. Y'avait qui avant à ma place? Mais tu sais bien. Ah ouais, ok, d'accord. Vous m'avez encore fait prendre un truc à la con. Encore une pilule de merde. Avec un truc dégueulasse dessiné dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ok, ouais. On va se calmer, hein. Je suis tolérant aux drogues, mais... T'as vu, t'as fait un câlin avec un gros porc. Mais ouais, sans âme, va, hein. Et tu admettras, il était sans âme à partir de là, je pense que ça va. D'ailleurs, c'est qui lui? Pourquoi il est pas mort comme les autres? C'est quoi ce bordel? Non, sur le but, on va avoir des problèmes. Le patron, il a dit quoi? On le bute pas. Le patron, il a dit on le bute pas. C'est qui le patron? Bah, le patron là, le mec qu'on a. Ah oui, putain, bah, non, c'est Boris. Pas le patron, mec, c'est pas Boris de patron. C'est qui le patron, Boris? C'est qui le patron? C'est ton papounet! C'est moi? Mais non, c'est ton papounet, connard! Ouais, c'est ton père. C'est qui papa? C'est qui papa? Comment ça s'appelle son père? Putain, ouais. Jim. Philippe. Ouais, Philippe Maurice. Philippe Maurice, c'est ton père. Ah ouais. Un sacré fumier. Un sacré fumier, excellent. Allez, excellent. Humoriste. L'humour est mort ce soir. T'as le mec qui te fait un petit check, genre. Et il faudrait, tu sais, le riff de guitare. Les gars. Bon, t'es qui, toi? Moi, je suis Vinke Smith, réalisateur de films, tu vois. Et je suis roux, ok, bon. Bon, alors on va y aller par 4 chemins. Allons à l'essentiel, Vinke. On est par 6. Ouais. Au loin... T'as dit quoi? Vraiment au loin, vous entendez des sirènes. Parce que vous avez un peu tiré partout, en fait, en vrai. Hein. Ça fait un peu de bruit. Voilà. Ok. Bon, les mecs, on n'a pas le temps, donc... Qui a laissé GTA allumé? On est où, là? CJ!
Putain, mais rattrape ce train. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, les gars? Bon, les gars, reprenons-nous. Vinkel, bon, donnez-moi un bazooka, ouais. Bordel de merde. Donnez-moi un bazooka, là, tout de suite. On n'a pas le temps pour ces conneries, Gérard. Le roux. Faisons parler le roux. Mais le roux, hé, toi, là, hé, Roukmout. Hein, poil de carotte. Ouais. Hein, comment était venu ton putain de film là? Non, mais on peut se calmer. Non, 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 tu parles. Vous avez les sirènes qui se rapprochent de plus en plus, hein, quand même. Bon, Vinto, tu parles maintenant ou on t'embarque et tu vas en chier. Quoi, on désingue les condés? Non, mais embarquez-moi, comment vous voulez que j'explique tout ça? Les mecs, alors, on t'embarque. Ok, bon, qu'est-ce qu'il prend sur son dos quand même? Il est lourd. Vas-y, toi. On se casse, les mecs. Hein, je peux marcher. Ok, bon, bah, ramène ton fion. Ok, on y va en farandole. On se casse. En farandole. Oui, on y va. Allez, deux par deux, on tient la main. Allez, regarde si c'est bien rouge. Donne-moi la main. Donne les clés de ta caisse. Et ils sont dans ma chambre, juste à côté. Mais on part comme ça, clopin-clopin. Ok, vous partez clopin-clopin, comme ça, en bas de l'escalier. Toi, tu me pointes avec ton nain. C'est parfait, très bien. Les clés de la caisse sont juste dans ma chambre, là, dans la chambre qui est à côté, à droite, tu traverses le couloir. Je suis un peu comme Christine Aron. Je cours vite. Je cours super vite et effectivement, tu tombes sur des voitures sur la table de chevet. Incroyable. C'est quand même magique. Je les ai. Tu les as? Génial. Parfait. On est parti. Elle est où ta caisse, Vinke? Dans le garage. Bah, c'est le garage. Ok, j'y vais. En bas. Bon, allez, suivez-moi, bande de glands. Bon, on y va. Oui, vous parlez de toute façon pas tout à fait. Hein. Il n'est pas soif du tout. Hein. Okay, donc, okay. Moi. Ah, excusez-moi, monsieur. Hein, le gland. Ouais, donc, y'a... Suivez-moi. Oh merde! Suivez-moi! Il n'y a pas de câble en dessous, tout est bien! Non, tout va bien! Tout ça, bien. C'est dramatique! Donc, il n'y a pas de câble, c'est bon. Suivez-moi, s'il vous plaît, dans le garage! Ok, un technicien sur le plateau, s'il vous plaît! Un technicien sur le plateau! Rapidement. Nous demandons un essuyeur sur le plateau, s'il vous plaît! On va en speed! Bah, tiens, sexy! T'es devenu une serpillière, toi. Tes cheveux, depuis que tu les as teints, c'est pareil, quoi. Merci beaucoup. Donc, vous êtes dans ce fameux... C'est assez inconfortable comme position. Attends, t'es en train de les greffer, là. De quoi? Qu'est-ce qui m'arrive, mec? Mais pourquoi tu parles comme une bite? C'est incroyable. Elle t'a bouffé trop de clans, les sirènes se rapprochent de plus bon, en plus. Bon, on y va, bordel. Bon, allez, on va aller où ta caisse? Allez, suivez-moi. Allez, on apporte ce film papier, les gars. Voilà. Donc, je vous emmène en bas, au premier étage, au rez-de-chaussée. Vous sortez, il faut sortir de la maison. Il vous monte juste à gauche. Une grande voiture, une décapotable, magnifique. Il y a de la place pour tout le monde ou pas? Mais oui, c'est une grande décapotable. Très bien. T'as Beverly Hills, c'est-à-dire ça défonce, je saute au-dessus de la porte, je me mets au volant. Tu te mets au volant. Ok, très bien. Vous suivez? Moi, je me mets à l'arrière. Moi, je me mets à côté de lui et je mets du Snoop Dogg dans la bagnole. Ok, très bien. Les sirènes qui se rapprochent de plus en plus, ils sont plus qu'à quelques secondes de l'entrée de la maison. Ce sont des portes qui claquent. Tac, tac. Prenez par là-bas, vite. Toi, roule, juste en face. Vite. Directement 5e débarrage sur la maison. Tranquille. Démarrage en 5e. Tu n'as pas débrayé sur une automatique. C'est quand même extrêmement pratique. C'est génial. Donc tu avances. J'ai pas passé mon permis. À travers la forêt, à l'opposé des policiers. Tu arrives devant un portail. Portail qui est automatique. Il reconnaît la plaque de la voiture. Il appuie sur un petit bouton et ça s'ouvre. Moi je me tourne quand même vers Vinke. Elle déchire ta zombie, gros. Oh mais ouais, j'adore ces sons. Très bien. Vous prenez les. Conduite vous allez smooth. Vers le nord, vers l'ouest. On peut peut-être aller vers l'est. Vers la quoi? Vers l'est. Pas plutôt qu'on aille au sud-ouest. On va au sud-ouest? Non, je préfère l'est. Vas-y, t'as vraiment une gueule de con quand tu parles comme ça. Vous savez qu'il y a effectivement une grande forêt à l'est. C'est bon. Lâche ce flingue. Pose ce flingue. Tout va c'est bien. C'est bon. Donc vous avez une grande forêt. À l'est, Langell National Forest. C'est très sympa comme nom. Langell. Langell, voilà. That's good. Donc, dis-moi 666 pour moi. 666. Autour de vous, à terre de la propriété, vous entendez des personnes en train de courir. Oh ! Y'a quelqu'un ? Vous entendez plusieurs voix derrière, des gens qui courent. Un peu partout. C'est bon, c'est cassé là. Non, y'a personne. Ça marche pas. Ah bon, ça va alors. Vous êtes dans cette grande rue. Vous allez donc vers l'est. Ok. Vous avez un premier feu. Il est rouge. On s'arrête. Je le crie. On s'arrête. Tu grilles. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Non, fais une feinte. On fait semblant de s'arrêter. Et on t'est loupé. Vous êtes mort. Ok, t'as de la chance. Tu commences à essayer de gripper de griller le feu.
Tu vas à droite. T'as un gigantesque camion qui arrive, qui pile juste avant. Ah putain de connard! On t'emmerde! J'ai envoyé un arrêt cardiaque. Ok, fais-moi un jet de chance s'il te plaît. Réussi. Très bien, t'as le mec qui est au volant. J'ai mal au bras gauche. Et commence à tomber sur son volant. Bien joué, Jean-Marie. Allez, il nous fera bûcher. Son camion s'arrête en plein milieu du carrefour. Mais attends, sérieusement, vous continuez? On continue. Il est tellement pété. Très bien. Alors moi, je peux vous allez donc les gens, ils s'énervent, quoi. Sur la route de droite. Une grande avenue. C'est que j'ai marqué les mots en noir. Une grande avenue. Une grande avenue. Putain de merde. Une grande avenue. Tout vous droit, avancez. Tout droit. Il n'y a pas de passant. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de passant. Ah, c'est génial. Je les abats. Très bien. Ouais, bon, Vinke, t'as pas un petit pied-à-terre, une petite garçonnière, là mais une petite adresse. Moi, j'habite ici. Voilà, allez, t'as bien une petite... Je sais, j'ai des aiguilles dans ma poche. Je les jette pour que ça crève les pneus des nous poursuivants. Malin. Très bien. Ah, mais je jette mes aiguilles derrière, ouais. Bon, ça tombe à l'horizontale sur la route. Mais attends, approximativement. Mais... Voilà. Super plan, ça me sert à j'adore. Rien. J'adore. Mais non, mais personne crève avec des aiguilles aujourd'hui. Hein. C'était en derrière 1930, vous, hein. Au loin, à 200 mètres, une voiture de policiers. Avec les gyrophares, tout ça, tout ça. Les mecs, ils commencent à sortir. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Je me tords la tête aussi. Enfin, on est en décapotable, mais non, je me lève. Ok. Et fais. Et toi? Est-ce qu'ils m'entendent? Ah oui, t'entends, ouais. Il commence à faire un petit sourire d'ailleurs. Ton pote, il a dit que tu conduisais super mal. C'est pas un fils de pute? Pourquoi c'est pas un fils de pute? Mais t'es sérieux? Tu fais quoi là? T'essayes de semer un Discord entre eux pour qu'ils s'énervent. Ah, t'es réussi. Ça passe rien, tu fais quoi? Mais non, moi je conduis super bien, il commence à s'engueuler dans la voiture. T'as vu? Je peux l'envoyer la boulimie, il est super fin. Vas-y, vous continuez à avancer pendant ce temps-là. Ok, j'essaie de renvoyer la boulimie. Très bien, balance ta boulimie. Oh, réussi. Non, super ok, fin. Il a il super faim. Ah, bon, il continue à rouler, mais tu sens qu'il a faim, tu vois, c'est... Voilà. Eh, même pas capable de pas nous poursuivre. Ok, non, tu vas moi je m'en branle, toi, j'avance, t'avances. Tu vas directement vers l'est. Directement. Vers l'est. Un nouveau en feu rouge. Je le grille. Tu le grilles, fais-moi un jet de chance à nouveau, s'il te plaît. C'est génial. Moi, je leur fais un jet de même pas cap. Hein. Vas-y, branche fort. Et ça passe pas, encore une ça fois. Ça passe pas, très bien. Écoute, si tant pis, ça va pas passer cette fois-ci. Donc toi, fais-moi un jet, ça marche. Je sais pas, c'est quoi, il y a un malus. Un jet de chance, non, ça va. Mais pas du tout. Pour savoir pas si tu vas tout. Mourir ou pas. En très fait. Bien, bah écoute, ils sont très bien ensemble et effectivement, ils sont cap de te poursuivre. Très bien. Ils ont mal compris faisons la consigne. Faisons ça. Ils avancent. Ils toi, s'engueulent pas beaucoup. Au moment où tu traverses l'intersection, t'as une voiture qui avance, une deux chevaux. Tu la percutes extrêmement violemment. Tu vois le conducteur qui passe à travers, qui part à 5 mètres au moins, ou 10 mètres. Vous êtes bloqué au niveau de l'intersection. Une voiture arrêt, fume. Ouais, vous êtes à l'arrêt. Je sors de la voiture. Sors de la voiture, très bien. On a des armes. Y'a la police qui arrive là. T'as Boris. Tu es obligé d'avoir cette action, même en un Sherpé ou pas? Ah, Sherpé, non, ça va. D'accord. Y'a la police autour ou pas? Y'a juste une voiture qui est derrière. Mais t'entends d'autres derrière qui une sont seule. Un peu plus loin. Une seule pour l'instant. Oui, il y avait plein de médicaments. Y'a des survivants là dans le crash? Ah non, ils sont morts là. Enfin, ils sont inconscients en tout cas. On a de l'essence dans notre bagnole ou pas? Ah oui, bien sûr. Je peux en étaler partout et tout cramer là? Ah oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ça sert peut-être à rien ce que tu fais, hein, c'est pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, les policiers arrivent, ils se mettent à une dizaine de mètres de vous, ils sortent de la voiture, ils se cachent derrière, ils dégainent leurs armes et font arrêtez-vous! Oh, j'ai une bonne idée. J'ai une bonne idée, les mecs. Ah, ils sont deux. Ils sont deux? Ah oui. Ok, je leur envoie Parkinson. Non, mais attends. Les gars, on est des démons, on a rien à foutre, on va se prendre 3 balles dans le ventre. Non, c'est non, bon, non, Parkinson, vas-y, c'est moi je sors mon flingue, j'en butin. Tu sors ton flingue et t'en butin. On fait ça bien. Donc, un jet dextérité. On fait ça bien. Non, mais Parkinson! Parkinson d'abord, non? Toi aussi. C'est bon. Dextérité? Non, chance, s'il te plaît. Réussi. Toi, c'est bon? Raté. Raté, ça marche pas. Toi, tu tires, bam! T'allumes l'épaule d'un mec, il tombe au sol. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'avance vers eux, je me rends. Ok, tu te rends. J'avance doucement vers eux, avec Boris. Arrête-toi là! Arrête-toi! Toi, que fais-tu? C'est pareil que lui. Ok, tu te rends. Mets deux gardes, mon marteau à portée de main. Ok, donc tu te gardes et t'arrives. Ok. Ouais. Vous êtes tous les deux en train d'avancer. Toi. Dire, jette ton arme tout de suite! Moi je lui mets une balle dans la gueule. Non, il te tire avant. Okay. Fais-moi un jet d'extérité, s'il te plaît. Il te tire. Il te tire avant. Pile poil. Pile poil. Eh ben écoute, tu vas te prendre une petite balle dans l'aine et tu vas perdre 6 points de vie, s'il te plaît. Bien. Toi, que fais-tu? Je me mets à plat ventre. Et j'attends un petit peu pour voir ce qui va se passer. Ok, tu te mets à plat ventre. Au moment où l'autre policier tire,
Je fais une rotation et j'envoie Boris directement. Je vise pour que le doigt arrive dans son œil. Ok, fais-moi jeu de dextérité moins 10 quand même, c'est pas évident. Réussi. Très bien. T'as Boris, tu te mets de côté. Tu prends Boris. Détends-toi. Il tourne pas. Sur lui-même. Ça va bien. Il fait oui. Et il arrive avec le doigt dressé dans l'œil du policier. Il n'avait pas de lunettes, t'as la chance. Il se prend le doigt de Boris profondément dans l'œil. Ah, il tombe au sol. Je lui tire dans la bite. Ah, il est derrière la voiture là, tu peux pas le tirer. Merde. Je cours vers la voiture. Tu es à combien de mètres de lui? Là, t'es à 3 mètres. De lui? Oui. Tout d'un coup, au moment où il se prend Boris dans l'œil, je tape un sprint, mais d'un coup, okay. En sortant mon marteau et je le démonte. Très bien. Au visage. Hein. Au visage. Ok. En lui disant, on n'a rien fait, c'est pas nous. Ok, très bien, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Allez là, Fifi. C'est pratique ça pour toi le Fifi, c'est bien. Fifi la okay. famille. Ok, tu cours. Brin d'acier. T'accélères. Fifi brin d'acier. Tu montes sur la voiture au moment où Boris met le doigt dans l'œil. Tu vois sa tête qui fait... Il fait vachement bien. Tu prends ton marteau et bim. Tu exploses la tronche. Plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois en lui disant que t'as rien fait, que c'est pas toi. Oui, voilà. Tu peux le faire? C'est pas moi, j'ai rien fait. Excusez-moi, pardon. Ok, il a pas très bien compris, mais bon, d'accord. Il est au sol, hein, voilà, il est mort. Ok, c'est réglé. Bon, autour de vous, il y a quand même d'autres sirènes. On prend la caisse de flic, on prend la caisse de flic, les gars. On prend la caisse de flic. Ok. Vinque derrière vous. Je désarme un policier de son arme. Tu désarmes un policier de son arme. Tu désarmes un policier de son arme. Ouais, okay. Bien sûr, je lui retire son arme. Tu lui retires son arme. Je lui vole. T'as Vinque qui fait bon, les gars. Tu nous suis. Non, mais faut pas qu'il se barre, Vinque, on est d'accord. Hein. Non, mais tu viens, tu nous suis. Non, mais go, go. Ah, je me suis. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on glande là on... Vinque, enlève une chaussure, s'il te plaît. Enlève une chaussure. Enlève ta chaussure, il t'a dit. Une chaussure. Une chaussure. Voilà, enlève-la. Ok. Merci. Très bien. Tu me mets à genoux. Ok. Et lui défonce les orteils avec mon marteau. Oh putain! Tenez-le les mecs! Je lui éclate tous les orteils! En chapeau bras que non, mais t'aurais dû me dire, je lui aurais fait un pied beau! Excellent! Il aurait marché comme les roues! Prenez les Fantiasis! Vous avez. Fantiasis! Ok, dans les voitures de flics, les gyrophares que vous y avancez. On rentre tous dans la caisse, on jette Vinque derrière. Vinque Smith dans la voiture. Il arrive à cloche-pied, il jette dans la voiture. Vous jetez tous les uns sur les autres dans un petit sandwich. Qui conduit? La police. Moi, toujours. Très bien. C'est une blague que je connais, n'est-ce pas? Je mets le gyrophare. Ok, tu mets le gyrophare. On est parti. Gyrophare. C'est Jean Rochefort. Mais bon, c'est Gyrophare. Jean Rochefort. Et tu vas où? Du coup, tout droit vers l'est, vers le nord, vers le sud. Vers l'est. Mais on est déjà sur une route déjà là-bas. Oui, tout à fait. Mais tu peux aller vers la gauche ou vers la droite. Éteins le gyrophare, éteins le gyrophare, Gérard. Éteins le gyrophare. Mais t'es un ouf, c'est trop stylé. Ouais, mais comme ça, si on est devant eux, ils vont nous suivre. Ils vont nous suivre si on garde le gyrophare. Sinon, ça a gagné. Si on laisse le gyrophare, ils vont nous suivre. Sinon, il va mourir. Boris, il va mourir s'il y a le gyrophare. J'aime pas le jeu. Je prends la radio et j'y. Allô, on est en train de poursuivre un suspect sur la 20ème au nord. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Réussi. Ok, où ça? Où ça? Vers où? 20ème nord, 20ème nord. Ok, on y va. Attendez, il ment. Je lui mets un coup de coude dans la gueule. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Ah bah non, je l'ai dit, hein. Ah ok, attends, mais voir si ça marche ou pas. Ah oui, il s'est toujours allumé, là. Ça, putain, fait fier, tu me casses les couilles. Ok, bon bah, il t'entend pas très bien. Il a dit quoi? Non, il est blessé, ce con, il a mal aux dents, c'est bon. Ok, il a mal aux dents. Ok, il a mangé de l'aise. On va vers le nord. Enlève le genre en jet. Les voitures derrière vous, qui tournent à gauche et qui vont vers le nord. Vous êtes tranquille sur votre petite route, hein, avec votre gyrophare. Vous avancez à pleine vitesse. Vous avez un petit feu rouge à nouveau. Bon, Vinque, va falloir parler maintenant. Bon, je m'arrête juste devant, je regarde à droite, à gauche. Il n'y avait personne. J'avance. T'avances, très bien. Vous avancez pendant quelques kilomètres. Vous sortez de la ville. Pour arriver, vous allez jusqu'où en fait? Mais dès qu'on est au calme, on s'arrête. Et moi, je suis parti à l'interrogatoire là, Et vous savez qu'en continuant vers l'est, Vinque, vous avez cette grande forêt. On est à Los Angeles? Ouais. Il n'y a pas des espèces de fast-food avec des gros donuts au-dessus? Ah si, tu peux trouver ça, bien sûr. Bah j'en veux. T'en veux? Ouais. Ok, ouais. Donc t'arrives devant effectivement... C'est vrai qu'on est des flics, on a faim. Attendez, les mecs, C'est quoi? On a une mission, là, quand même. C'est super
super dur d'avoir du charisme. Ah, le faux cul. Les gars, on non, mais, vas-y, non, mais c'est bon, on fait péter un donut. Du gland. Il faut. C'est pas du gland. Je m'appelle Boniface. Eh les gars, face de gland, c'est bon. On veut un donut. Mais je m'appelle pas face de gland. Non, t'as pas compris, Boniface. T'as pas compris. Pour remplir la mission, il faut qu'on ait bouffé avant. Mais remplis ta gueule. Vous voulez que je lui donne de la dyslexie en plus ou pas? Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être pas mal. Les mecs, très sérieusement, on a une mission. Ouais, bon, je roule, est-ce qu'il y a un gros donut devant? Il y a un gros donut, tu prends un donut. Non mais les gars, on y va tranquille, on lui file un donut, comme ça il va se calmer et puis on va l'interviewer tranquille. Ouais, alors attends, je vais prendre un donut. Il est où mon nain? Est-ce que je peux avoir un stylo? Il est avec toi, t'inquiète pas. T'as un stylo s'il te plaît? Merci. Vas-y, tiens. Faut que t'écrives aussi avec le... Il est où mon nain? Mais il est où ton nain? Attends deux secondes. Mais il est vivant. Il est vivant, moi, il s'est barré. Ouais. Bon les gars, vous me dites tout de suite qui a piqué Boris. Sinon je vous tue toi, tous. Tu continues à avancer vers l'est, hein, vers la forêt, tranquillement, t'es bien. Non, je pendant pile. Vous parlez. Je ah, tu pile. Je pile. Il est où Boris, bordel de merde? Putain mec, je sais pas, je l'ai pas vu. Depuis que tu l'as acheté sur le policier, je l'ai pas vu. Non, c'est pas possible, il est revenu. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Putain, il y a les flics. Il est où Boris? Mais j'en sais rien, dans ton cul. Non, il est certainement pas dans mon cul. C'est toi? Mais t'as vérifié? C'est toi? Non, je te demande si t'as vérifié. Hey, même pas capable de vérifier dans ton cul. Ouais, ah bah, il y va tout seul. Y'a rien, y'a rien. Il est où? Il est où? Non, où est Boris? Arrêtons d'être des enfants. Est-ce qu'on l'a oublié? Non. Bon, on l'a peut-être oublié. On y retourne? Est-ce qu'on entend toujours les sirènes? Bah non, ils sont beaucoup plus loin là, vous êtes bien. Ah, d'accord. Bon, Vinke, moi je commence à parler à Vinke là. On fait un kebab? Bon, ouais. T'inquiète, Boris il va revenir, mec. Non. Franchement, il t'abandonnera pas comme ça. Non. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Ouais, je sais, mais sans moi il peut pas vivre. Mais il va revenir. T'en tu, veux, pas. Tu veux me prendre dans tes bras la place? Bon, Vinke. Ouais. Non, ça y est. T'as pondu un putain de film avec un scénario qui nous intéresse comme il faut. Il est où Boris, putain de merde? Où est-ce que t'as eu cette putain d'idée, enculé? Fils de pute. In my brain. Mon cul sur la commode. Où t'as eu cette putain d'idée? Ouais, bah, bon, bah... Dans ma tête, quoi. Oh, t'sais, je suis un artiste. Putain, je lui pointe mon flingue en plein sur la gueule. T'as eu où cette putain d'idée? J'étais sûr t'allais faire ça, mais par correction, il fallait que je fasse au début genre que j'allais rien te dire, en fait. Vous allez me laisser en vie, par contre. Vinke, si tu te manges pas... Tu c'est peux avoir des aucune chance très douloureuse. Je lui explose le nez avec mon marteau, il me casse le nez. Ok, tu lui exploses le nez, il a le nez, super hein. mal. Très Est-ce bien. Que tu veux une maladie dégénérescente des nerfs qui permet qui meurt, tu vas mourir dans 10-20 ans dans d'affreuses souffrances, comme si chacun de tes nerfs était profondément excité au point que tu hurles Putain, douleur le mec, c'est chacun de tes Est-ce que tu veux que je te force à te lécher ton propre anus à ce que tu t'en casses la colonne vertébrale, enculé? Mais je préférerais ça aux maladies, en fait. Ah tu ouais cette j'ai déjà fait, j'y arrive très bien. Attends, j'ai fait. Ah, t'arrives à te lécher ton propre anus. Eh, Zorro de fort. Oui, je crois. Vas-y, je suis sûr que t'es pas capable de lécher ton anus. Ok, dis-moi ce que t'as, où t'as trouvé ce putain d'idée de scénar, sinon je t'épargne de te lécher ton propre anus. Attendez, genre, depuis que je me suis réveillé là, c'est qui ce type? C'est un scénariste, il a écrit un putain de film qui s'appelle Dogma, et c'est le boss, il veut qu'on trouve... Enfin, c'est lui qui a chouré Boris? Non, c'est toi qui a chouré Boris? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, calme-toi. Entre nous, on est pas... t'as fait comment le scénar? Le scénar, alors écoutez... Sut, Boris aussi était avec nous. Sut, tais-toi. Il est plus là. En fait... Sut. Eh, parce que je suis bien sympa, et que j'ai vraiment envie de foutre la merde entre vous et les anges. Voilà, je vais vous dire où j'ai trouvé ce scénar. Et ton adorateur il pue du gland, ok? Tranquille. Ah tiens, ils sont un peu vieillots, hein. Le Celt s'est passé il y a longtemps. Hein. Ouais. Ça embauche pas d'ailleurs chez les démons. Hein. Ça a pas l'air d'être d'avoir le charisme. Ça dépend, t'as quoi comme compétence? Moi je sais foutre la merde. Mais lui aussi, mal, il le fait super bien. Moi, tu feras passer mon CV? Ouais, ok. Ok, cool. Merci. En vrai, je mens. Ah non, tu mens, merde. Ok. Non, mais. Ah, tu dis ça. Si, je mens quand même. Ah ouais. D'accord. Mais bon, il est où Boris, bordel? Non mais laisse-le parler. Ah. Alors, ce fameux film, je l'ai trouvé. Je me suis baladé à Bali. Vous savez, les petites vainées, les petits machins, les coconuts. Ah, les quichetons, wesh. Et il parle comme une racaille. Bali? Bali? Bali couille? Non, pas Bali couille. C'est Bali couille, mec. Bali couille. Ça m'échappe. Alors Bali, hein, voilà. T'as toujours la musique hein, qui résonne dans votre voiture. Radio. J'en ai marre. On est tous dans une voiture là. Ah oui, toujours. Je fouille la bagnole de flic voir s'ils ont pas chouré de la bœuf ou des trucs à des délinquants. Enculé. Ok, donc il vous dit. Alors ce fameux film, je suis baladé à Bali et pas Bali couille, une petite île sympa. Tu sais, c'est vers l'Australie. Non, c'est faux. Mais trop pas.
Trop pas, c'est pas du tout là. Bah, c'est un peu au-dessus de l'Australie, non? Oui, c'est au-dessus. Ah, de putain, il y a la culture. Ouais, c'est au-dessus de l'Australie. Tu m'as pris pour un con, quoi. Non. J'ai défoncé la gueule, fais gaffe. Ok, c'est bon. De toute façon, j'ai pas allé loin. Hein. J'ai bon, fait... à Bali, il faut faire quoi là? Alors, à Bali, je suis allé dans le centre de l'île, dans une sorte de sanctuaire hyper stylé qui s'appelle le Gunung Kawi. Le quoi? Le Gunung Kawi. Je crois que c'est un truc des lesbiennes. Dis-le, 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 toi. Le goût. Le quoi? Le Gunung Kawi. Le Gunung Kawi. Ah non, c'est pas drôle, il y a pas de S. Bah non, avec un accent, c'est juste sur les S, etc. Et sinon, tu peux dire le Gunung Kawi. T'as juste perdu un con, quoi. Bon, du coup, c'est le Gunung Kawi. Il y a effectivement un certain nombre de temples. Le Gunung Kawi. Et en allant dans le 10e temple, celui qui est un peu à l'écart, j'ai trouvé une fresque qui racontait le scénario de mon film. Donc je me suis dit, ce sera plutôt bien, je vais faire un scénario, je vais faire un film, je vais être chéri, en fait, je vais être célèbre. Un putain de branleur. Ah oui, je fais rien moi dans ma vie. Hein. Bon, on va à Bali les mecs. Attendez, attendez. Pas sans Boris. Il y a un objet magique là-bas aussi, accessoirement. Comment ça, un objet magique? Un objet magique, justement, en fait, il y avait une sorte de bouquin, je pouvais pas y aller parce que j'étais impur ou j'en sais rien, voilà. Mais attends, mais t'as eu l'idée avec quoi exactement? Avec une fresque sur un mur, comme juste une fresque, ça t'a fait une idée, il y avait toute l'histoire. C'est ça, et juste en bas, il y a marqué Goscinny. Ah, c'est pas le mec qui va chez Gastorama, il t'écrit l'Iliade et l'Odyssée, hein, il est créatif le mec. Ah, pas mal, mais c'est quoi cet objet magique? Tu sais un peu ce que ça c'était? C'est un bouquin, tu sais, moi je suis allergique. Mais comment tu sais que c'est magique? Eh, parce que j'essayais de rentrer pour le prendre et je pouvais pas. Comme un peu les vampires, ils peuvent pas rentrer chez les gens, ouais. Genre il y avait une exactement, il fallait que le livre m'invite en fait. Pas mal. Mais il m'a pas invité. C'est comme avec les femmes. Moi c'est pareil, c'est genre. Genre c'est un viol. C'est ma blague ça. Genre Excalibur. Oui, c'est ça. Tout à fait. Dis. Vas-y, ouais, je te le tape pas. Ouais. T'as vu, il est tout fragile. Tu vas plus tranquille. Excalibur. Eh, vas-y, si tu lui fais encore du mal, je te parie que t'es même pas capable bon, de les gars, te suicider. Tout ce que je savais, je peux peut-être pas. Attends, attends, j'ai une question. Parce que je sens le piège. Est-ce que le 10e temple, ça sous-entend qu'il y a 10 temples? Non, pas du tout. En fait, il y en a 15. Et Ah bah, tu vois, bonne question. Ah, c'était une bonne question. Donc, on les compte à partir d'où? Ouais. En fait, à partir de l'entrée, tu vois, t'auras une petite galerie juste à côté des toilettes. Toilettes publiques, là. Ouais. Et bah, c'est le premier. Non, mais je veux dire, on commence par la gauche, on part pas sans Boris. Tu commences par la droite. C'est bien. Non, mais il raconte de la merde, là, il me saoule. Non, mais... non, tu commences par la droite et tu comptes 15 temples. Alors, on commence par la droite. T'es con ou quoi? La droite, c'est là-bas. Tu mais oui, mais par la droite. Pourquoi il fout de ma gueule? Pourquoi? Ouais, mais ça dépend si on arrive par l'autre côté. Tu fous de ta gueule, t'as vu comment tu parles? Oui, mais c'était bien une nana qui tenait une crêperie. Bah, 10e à partir de la droite. Tu connais une nana qui tient une crêperie? Bah, ouais, c'est ma femme. Ok, on l'a buté. Oh putain, alors, je me souviens pas. Je t'ai dit de la merde. T'as pas 15 temples, t'en as 10. Il y en a un qui est un peu à l'écart. On l'a violé une fois qu'elle était morte. Voilà. Ok, les gars, écoutez. Pas mal. Il y a un 10e temple qui est à l'écart. Et après, on l'a brûlé. Et après, on l'a reviolé. Un 10e temple à l'écart. Ouais. Il y en a marre. Je vous dis, il y a un 10e temple à l'écart. Eh, mais ta limitation, c'est pas que t'es un gros pédé, wesh. Juste, je fais ça à la langue. Tu arrêtes. Regarde, avec les autres, ça va de pair. Donc, je peux y aller maintenant? Non. Attends, expliquez. Où t'as mis Boris, bâtard? Ah, j'ai pas touché à Boris, moi. Tu remarqueras que Boris est bâtard, ça commence par P. Il est peut-être dans son cul. Regarde. Non, même pas capable d'aller fouiller s'il y a pas Boris dans même son pas cul. Fais-moi un jet de chance. Tu veux que je lui fasse une chute d'organe? Bon, moins 30. Il va avoir son cul au niveau du sol. Vas-y, vas-y. Oh, oh yeah. Et tu vas fouiller dans son cul. Tu sens un grand défi. Un grand défi. Il dit, t'entends? T'es pas capable de fou de trouver Boris dans son cul, t'es pas capable de trouver Boris dans ton cul, t'es pas capable de trouver Boris dans ton cul. Non, dans son cul. Dans son cul. À Vinke. À Vinke, enfin bref, dans son... Oui, on est parti, mec. Le fion. 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 Mets-toi à quatre pattes. Mets-toi à quatre pattes. Allez, RP, RP. C'est beaucoup trop vulgaire. Allez, à quatre pattes. Allez, oui, c'est tout. Ok, il se met à quatre pattes. Je cherche un sac plastique dans la voiture. Mais pourquoi? Ok, t'en trouves un. Bah quand même, merde. Ouais, oui, c'est le cas de le dire. Bon, tu fouilles, tu trouves rien. Voilà. Ah, merci. Et ah non, mais il fouille bien profond. On n'a pas une boîte de donuts, on a acheté des donuts. Oui. Je mets la boîte de donuts. Ok, très bien, tu pique. Vas. Tu trouves pas de nain, hein? Bon, est-ce qu'on peut y aller maintenant? T'as sorti partout. Bon, je laisse la boîte dans son cul et je retire ma main. Ok. Il reste allongé sur le sol, en train de pleurer. Ah mais fuis con! Putain, tu l'as mis où, Boris? Non mais je me rappelle. Quoi? Quoi? Ah bah, je l'ai oublié au fast-food. Quoi? Mais quel fast-food? Les donuts? Les donuts, ouais. Bon, on y retourne.
Ah non, c'est trop long maintenant. Ah, c'est sûr, d'accord. Je monte dans la caisse. Allez, vas-y, mec, okay. Moi, toi. Allez, go, on y va. On y retourne. De toute façon, maintenant, c'est l'aéroport. Tu vas aussi ou tu caresses? Bah, oui, j'y vais. Oui. Très bien. Donc, vous allez au Donuts. Récupérer Boris. Boris. Et après, c'est lui qui a voulu qu'on le laisse, hein. Il est à l'entrée, posé sur une sorte de gros pot où t'as un arbre. Et il te regarde. Vous m'avez oublié, connard. Boris. Tu m'as oublié. Je t'ai pas oublié. Mais si. Dis plus jamais ça, sinon je te casse la glotte. Ok, tu vas pas oublier. Ok, ta gueule, on y va. Et tu me fais un petit bisou au passage. Tu m'as pris pour quoi? T'es vraiment une fiotte. Ok, ça marche. On y va. Oh, puis j'essaierai avec l'autre à ta droite, à ta gauche. Ah, ça peut lui plaire, ouais. Ça te dit d'embrasser son gros doigt? Non. J'aime pas beaucoup ça. Ok, il fait un petit clin d'œil quand même. C'est triste. Bon, on repart. Non, ouais. Allez, les gars, c'est pas. Allez. Direction l'aéroport. Direction Bali, quoi. Ah, hein, on va prendre le charter. Direction aéroport. Il est où l'aéroport? L'aéroport, il est à l'extérieur de Los Angeles. Voyage, voyage. Il faut que vous preniez. T'es là, t'es là, voyage, voyage, voyage. On va à l'aéroport tout de suite. Vous roulez. Et vous sentez une présence juste derrière vous. Une présence. Une présence. Une présence. Vous avez Jim qui est là en train de vous regarder. C'est qui Jim? C'est qui Jim? Votre patron. Ah. Bon les gars, vous faites vraiment chier là. Ça va Jimmy? Tranquille? Ta gueule. La baisse. Ferme ta gueule. Vraiment là je suis pas d'humeur, le premier qui loue je débute direct. Okay. Et il sera un cas dans le corps d'une vieille à côté. On est d'accord? Ok. Ah ça, bon, ça fait chier. Depuis que vous avez lancé la mission, vous avez défoncé une crêperie. Vous avez buté, foutu le zouk à l'intérieur. Mais on n'a pas défoncé la crêpière. Ta gueule. Vous êtes allé à Beverly Hills, hein. Vous avez tiré partout, il y a des morts partout. Après, vous avez désingué deux pauvres passants qui étaient là pour rien, mais on s'en vend, on le sait à la rigueur, tant pis. Mais en plus, vous avez désingué deux flics supplémentaires. Ouais, mais c'est pas grave, c'est les États-Unis de l'Amérique, c'est normal, ils ont tous des armes. Wesh, en plus, à Beverly Hills, on n'a même pas vu Brandon et Brenda, alors je sais pas. Ouais, c'est dans la Constitution. Mais c'est un droit constitutionnel, bordel de merde. La Constitution, hein, tu te la mets dans le cul, voilà, hein. Il faut arrêter avec les anus. Le cul, tout à l'heure, j'ai déjà mis ma main dans le cul de quelqu'un. Faut arrêter avec les anus, Jimmy, parce que... Tim, je t'aime bien, mais je veux pas le savoir. Franchement, c'est chaud, quoi. Moi, j'ai rien fait. Est-ce que vous voulez que j'en tape un? C'est pour ça que j'ai mis cette limitation. Toujours en train de sucer un tel, c'est mais fatigant. Mais t'es vraiment une fiotte face de gland. Ah, je le saurais si je suis quelqu'un, enfin, je veux dire. C'est vrai que t'es fatigant. Ça me fait vraiment marrer, j'adore ça. Bon, si vous continuez à tirer partout, hein, voilà. Non mais là, tranquille, on va à l'aéroport. Vous voyez ce qu'il a? Eh ben, ça sera beaucoup, encore pire pour les autres. T'allais dire beaucoup plus pire. T'allais dire beaucoup plus pire, t'avais l'air d'un gogol. C'est une limitation. Pardon. Okay. Une imitation. Et donc, pourquoi t'es là en fait? Juste pour vous dire d'arrêter de foutre le bordel. Mais on avance grave dans la mission, Jimmy. Ok. Et on va à Bali, peinard. Fais péter les passeports d'ailleurs. Mais t'as pas genre une méga voiture démoniaque pour passer au-dessus de l'océan et pas prendre l'avion? Genre ça pue la merde l'avion. Oui, tu veux pas aussi qu'on prenne nos ailes? On se met comme ça, on sort les cornes, les grands crocs là, t'es comme dans les films, on passe au-dessus de Paris. Super et voilà. Mais ça bah ouais, vas-y, on fait ça, on peut. On peut. Non, les gars, la règle du grand jeu, hein, vous ne devez pas révéler votre Le grand présence. Jeu, c'est genre, j'enlève la ceinture, le fut est... Putain, j'en peux plus. Il est excellent. Il est excellent. Ouais. Tous les jeudis au théâtre du Temple de Los Angeles. Ouais, mec. Ta gueule, il a dit. S'il vous plaît, mec, on peut y aller? Moi, j'ai envie d'aller à Bali, en fait. Ah, le fuck you, wesh. Mais non, mais on fait si, on y va. T'as des billets, Jim? Mais non, mais les gars, vous allez le prendre à l'aéroport, vous avez vos passeports, vous avez tout ça, putain, vous êtes dans les passeports. Allez-y, cassez-vous. Allez, ciao. Bruit, là, je suis là, je suis en haut, vous écoutez, vous entendez. T'es en haut, t'es en bas, non, plutôt? T'es en bas, plutôt, non, wesh. Ah putain, c'est un Nantes! Oh le bâtard, wesh, vas-y, fais pomper ton aura, enculé! Vas-y, fais pomper ton aura, wesh! Prends la tête! Fais pomper ton aura, bâtard! Il claque les doigts, il s'en va. Ah bâtard, il est trop rapide. Non. On dirait Son Goku, téléportation. T'as vraiment passé pour des gros blaireaux. Bon, tu veux pas le dire? Vas-y, j'accélère, on va à l'aéroport. Ok, vous arrivez Flash Gordon. À l'aéroport. Enfin. Flash Gordon. Hein, voilà. Il y a beaucoup de monde. Il y a des policiers. Vous êtes dans une voiture de flic. Tu peux dire 6 types. Pas en uniforme de policier. Vous arrivez quand même à l'aéroport dans votre voiture. Oh, parce qu'il y a en parking. Bah, tranquille, au parking, on tranquille. Est des flics en civil. Bien sûr. Vous avez du fric? Faut payer le parking. Ouais, on a de la thune, c'est bon. Ouais, on a de la thune. Ah, les vieux démons, quoi. Wesh, tranquille, mais 2 euros, on reste qu'une demi-heure. Non, mais ce que tu sais pas, c'est que Boris, c'est une tirelire aussi. Et effectivement, il est rempli de petites pièces.
Il va falloir tuer Maurice, ouais. On arrive au comptoir de l'aéroport. Mais te chie des pièces à la demande. Ouais. Mais t'as une limitation, toi, parce que tu. Non, je sais pas. Ça me fait trop mal et j'ai envie de me foutre de ta gueule. 4 billets pour Bali, s'il vous plaît. Effectivement, il te sort 4 billets pour Bali. Comme ça. Ah oui, comme attends, ça. Attends, mais qui, un mec dans le parking? Mais non, lui. Maurice. Ah, hey, même pas capable de nous offrir la première classe parce qu'on est les 8 millième clients. Ouais. Fais-moi un jet de chance, moins 40, s'il te plaît. Oh, 40? Ah oui. C'est un blaireau, là. C'est Boris. Allez. Bah non. Bah raté. Il te fait un gros doigt. Bah non, t'auras pas. Ah, il me fait un gros doigt. Bah oui. Ah vas-y, je lui mets un gros doigt aussi, wesh. Ok, bah il te marre. Je lui fais un gros doigt aussi. Vous êtes content, vous faites des gros doigts. Ouais, on y va, là, ça me casse les couilles. Ok, très bien. Chier, là. Vous prenez les billets, vous rentrez dans l'aéroport, les portes s'ouvrent, compagnie. Est-ce que vous avez des bagages? Mais non. Non. Forcément, vous n'en avez pas. Non. Très bien. Vous allez vous enregistrer. Identité. Monsieur, votre identité, s'il vous plaît. Je m'appelle Jean Brochefort. Passeport. Tenez. Regarde, ok. Et vous? Jean-Marie Le Chêne. Ok, regarde. Oh, l'homme politique. Je suis voilà. Français, n'est-ce pas? C'est écrit dessus. Et vous? Gérard Néron. Ok, voilà, passeport, très bien. Et vous? Excusez-moi, je repose ma canette de bière. Je m'appelle Boniface Leblanc. Il faudra le finir avant de passer le contrôle de bagages, hein. D'accord? Non. Ah si, 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 il n'y a pas de fluide dans l'avion. Interdiction d'avoir des fluides. Très bien. Okay. Bah dans ces cas-là, je vais poser mes bagages et mes couilles sur votre. Non, je m'appelle Boniface Deglon. Ok, et merci. Voilà, il vous regarde. Compliqué. Très bien. Moi, je vais aux chiottes avant d'embarquer et je dépose. Je dépose mes flingues et mon couteau dans les chiottes. Ah oui, malin, malin. Très bien. Donc tu arrives, tu déposes. C'est bon. Sur la cuvette. C'est fini, flingue. Regardez. J'ai non, non, genre, je les jette dedans. Ah, tu jettes dedans, tu tires la chasse. Exactement. C'est du flingue. Ça passe, voilà, ça s'en va. C'est parfait. Ok. Est-ce que, hormis toi, quelqu'un pense à enlever ses armes? Moi, je... Bah non, on a le droit, c'est la Constitution. Mais oui. Et vous regardez, vous avez un petit panneau. Pas de drogue, pas le droit de péter dans l'avion, pas le droit d'avoir d'armes, pas le droit, de... etc. Pas le droit, bon, pas je prends toutes mes pilules, je les mets dans mon froc. Moi, je me mets le marteau dans le cul. Ok. Bah non, mais c'est le seul endroit, les mecs. C'est pas... Ok. J'avoue, c'est pas par plaisir. Je le fais aux toilettes. Tu sais que tu passes par un détecteur de métaux. Hein. Enfin, je sais. Bah, ils vont jamais fouiller mon cul. ouais, j'avoue, ça se fait pas. Bah non, ça se fait pas. Y a personne qui a des gants et tout. Y a personne qui va te dire de te baisser et hop là. Bah tu sais quoi? Ah non, je sais. Tu sais quoi, du gland? C'est vrai que moi j'ai pas mis ma main dans le cul d'un mec tout à l'heure, donc toi on risque pas de le faire dans un aéroport, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. C'est absolument pas sûr. J'ai une putain d'idée, les mecs. Laquelle? Bah nos corps, on en a rien à foutre. On s'ouvre tout ce vide, on range nos armes dedans, on recoue vite fait. Et voilà, je fais ça, je m'ouvre le ventre. Mais propre, hein. Propre, okay, okay, t'es bien, il y a un peu du sang qui coule quand non, même. Non, mais je m'entaille un peu. Ah, pas trop, ok. Non, de toute façon, t'es mort. C'est possible, ah, l'idée oui, c'est possible. C'est possible, et je range mes armes dedans. Ok. Et je recou... quelqu'un peut me recoudre. Bah vas-y, je fous mon gun aussi alors. Hein, là. Je le récupère avec de l'eau de chiotte. Je le récupère avec de l'eau de chiotte. Ok, tu ranges ton gun et vas-y, fais le sac pour tout le monde, fais pas l'enculé. Fais ta pomme. Non, je me fais pas une poche. Je suis beaucoup trop beau gosse. Fais ta mule. Le vol à destination de Bali. Embarquement immédiat. C'est bon, j'ai mis toutes mes pilules dans mon slip, on y va. J'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Ouais, non, Osef, Osef, je trouverai. Ok. Je trouverai une arme là-bas. Est-ce qu'il fait moins de 100 millilitres? Ouais, bien sûr, c'est un petit brumisateur. J'ai ok, pas ça passe. Okay, non, mais je préférais demander c'est un pour un brumisateur. Ok, ça marche. C'est un mini brumisateur. Ok, donc toi t'as plus d'armes. Non, tu l'as fou, tiré Zeph, la allez, c'est parti. Toi t'as pas un faire sa mule, enculé. Toi t'as fait quoi de ton arme? Non, t'avais pas d'arme, toi t'avais plus d'armes. Tu t'as Boris. C'est une œuvre d'arme, ça compte pas. Et toi, ton arme, il est à l'intérieur de toi, au plus profond de ton être. Non, pas de manière superficielle. Ah, superficielle. Ah, donc mais c'est super cousu. C'est comme un tatouage un peu. Oui. Voilà. Vous passez à travers la sécurité de l'avion. Rien à déclarer? Pas du tout. Bah lui c'est un gros con. Ouais mais ça on le sait. Si j'ai mon nain de jardin. Ok, ça passe. Eh hey, il bip pas. Problème. Il bip pas. Ah si il bip mais bon il le voit. Mais non il est en or, il bip pas. Eh hey, wesh à mon avis il a des trucs dans son bip. Cul. C'est écoutez désolé Mais pourquoi tu racontes qu'elle fait trop mal son taf ta collègue? Enlevez, enlevez. Quoi? Bah fais moi j'ai de chance s'il te plaît. Oh, effet critique. Vous allez repasser tout de suite dans le détecteur, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, je repasse, mais bip. Je fous de votre gueule. Bip. Oui, oui, the bip. Enlevez les chaussures, là. Hey, même pas capable de lui faire une fouille approfondie. Attends, attends, mais t'es un gros con, quoi, d'un marteau pour le cul. J'ai de chance. Approfondie du cul, allez, tranquille. Attends, je me mets un... Oui.
Je me mets à poil complètement. Ok, tu te mets à poil. Mais il te met un doigt dans le cul quand même. Je me mets à poil. Ok, ok, monsieur. Par contre, fouille par Je donne Parkinson avant. Baissez-vous. Je donne Parkinson okay, avant. Vas-y, fais-moi, j'ai de chance. Je me baisse. Ah, ah non, c'est bon. Passé. Non, ça va. Ça va. Ça va tout bon, fouiller. Parkinson. Oh, le combo. Le code missé. Il arrive, il te baisse, tu te laisses faire. Ah bah moi je suis pas farouche. Hein. Il arrive, il commence avec un doigt, ça va très vite. Oh, c'est pas grave. Vibromasseur, là, yes. C'est extrêmement douloureux. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il arrive. C'est pas grave, continue. On est bien. Toi t'aimes bien, toi je suis content. Ouais. Voilà, ok. Je trouve rien. C'est ça, oui. Ça. C'est ça, oui. Ah c'est tout. Est-ce que tu viens, est-ce qu'à un moment tu jouis? Bah j'ai pas eu le temps. Vous avez pas un implant ou un truc comme ça à l'intérieur de vous? Non mais on a un nain. Ah ça va être ça. Bon allez passez embarquez. Personne. Le vol à destination de Bali, Denpasar. Un implant. Va partir dans 10 minutes. Je répète. Ah, les gars, faut y aller. Je peux m'habiller, monsieur. Rhabillez-vous vite. Merci. Allez. Ok, je prends un Dr Pepper avant de partir, parce que j'aime bien. T'as une canette, tu prends ton distributeur, tu prends ton Dr Pepper, t'es super content. On y va. Et au moment d'entrer dans l'avion, vous voyez en face de vous 5 bonhommes habillés en chemise hawaïenne avec des grandes rastas. Oh, c'est putain de hippie. Ah. Ils vous regardent, ils vous sourient et ils rentrent dans l'avion également. Vas-y, répands la rumeur qui traîne mal de la drogue. On rentre également dans l'avion. Ouais, et c'est ici qu'on s'arrêtera pour cette première partie. Attends, suspense. Ouais. Cliffhanger, t'as vu. Cliffhanger, avec Stallone, t'as vu. Tranquille. Vous êtes aux portes de l'avion. Vous venez de voir les 5 rastas vous sourire. Vous faire un petit symbole. Et déjà, et rentrer. T'as, ils avaient l'air cool ces mecs. Vous croyez qu'ils ont du bédo? À l'avion. Hé mec, qu'est-ce que t'as dans ta poche? C'est ça que tu veux dire? Ouais, il faut faire croire que c'est. Excusez-moi, là, faut pouvoir se dépêcher, l'avion va décoller là. Mais t'as vu prendre de la weed? Il a de la weed dans sa poche. Il a la weed dans sa poche. C'est légal en Californie, on s'en fout. Tu vois l'ange en face? Il met de la weed. Tu le regardes. Vous sentez une. Attends, t'as dit quoi? L'ange? Le mec qui. Tu veux dire Rasta. C'est un ange? Toi, tu sais pas. Eux, ils ont l'air d'être un peu tendus. C'est qui? C'est comme. Une vague. De bien-être de la... qui déferle dans l'avion. Vous vous sentez bien, vous êtes posé, vous êtes bien. Ok. Vous sentez des petites sonorités à vos oreilles, vous voyez le soleil, vous êtes bien. Oh non, excusez-moi. Oh non, encore, je suis comme ça, non, qu'est-ce que. Vos places. Je peux avoir vos places pour vous placer, quoi. Non. Ah ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est tout droit. Tranquille. Allez-y. Merci. Rentrer dans l'avion. Vas-y, monsieur. Est-ce que je peux faire dans les états d'urgence, enfin expliquer où sont les semains? Non. S'il vous plaît, monsieur. Non. Vous vous sentez bien là? Ouais, je me sens trop bien. Je peux mais... faire le et par derrière et à droite à gauche. Allez, tu feras par derrière avec moi alors. Je pourrais allez, le faire. Tu fermes ouais. Ta gueule. Ouais. C'est trop bien. S'en bat les couilles, ouais. J'suis allez les gars. Là. Asseyez-vous juste là. Même pas capable de me surclasser. Fais-moi j'ai de chance. Moins 10, s'il te plaît. Non. Ah non, t'as pas pris les billets, mec. Allez, asseyez-vous. L'avion va décoller. Vous avez une petite voix, l'hôtesse. Vous êtes tous assis. Attention, l'avion va bientôt décoller, direction Denpasar. Il fait 35 degrés, taux d'humidité relativement important. Je vais maintenant vous présenter les procédures de sécurité de l'avion ouais, avec ouais, mon ouais, acolyte. Ouais, avec moi. J'ai la pâteuse, là, vas-y. Je me lève. Tu te lèves, je vais. Ramène-toi, je veux de la flotte, ouais. Vous allez me mettre juste là, monsieur, okay. Voilà. Eh les gars, vous êtes prêts? Voyage non, okay. Mais c'est pas ça. C'est ouais, pas ok, ça. Alors, il y a une okay. Petite musique dans l'avion, d'accord, ok, mais c'est pour vous mettre en confiance. Et j'ai essayé de me faire une coupe comme la chanteuse, oui. Ok, si tu fais une petite coupe bien. Alors, est-ce que je peux faire l'intro moi? Je peux. Mais vous savez pas l'intro. Si, je suis pas. Allez, vas-y, fais l'intro alors. Ok, bonjour tout le monde. Salut. Alors, on va vous montrer où sont les sorties de secours. Alors, tous avec moi. Oh, c'est une dure de nom. À gauche. À gauche. À droite. À tourne. En haut. En bas. Et là on balance Yannick gros. Il n'y a pas de mission de secours en haut et en bas. C'est pas de con. Quoi, y a pas de mais non. Est-ce qu'ils dansent tous avec nous? Il y a une partie qui danse, ils sont trop bien quoi. D'accord. On finit ensemble toi et moi. On aime tous ces
soirée-là. Il y a deux petits chants qui se remuent légèrement. Il y a une super bonne ambiance dans l'avion. Lève le doigt. On est au KLM dans cet avion. Vous êtes sur Malaysian Airlines. On est chez OKLM Airlines. OKLM Airlines. Génial, génial. J'adore. Vous avez l'hôtesse qui arrive et qui vous montre. Alors, les issues de secours, elle est super bonne. Les deux portes de l'autre côté de l'avion, à gauche. L'autre issue de secours, au milieu. Je m'approche d'elle. Les deux premières, juste à côté. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais je vous ai laissé faire votre speech. Maintenant, asseyez-vous, laissez-moi faire le mien, s'il vous plaît. Vous vous appelez comment? Bénélope. Bénélope? Bénélope, avec un B. Non, mais entre nous, ça aurait été plus drôle que tu t'appelles Suzy. Appelle-toi Suzy. Elle s'appelle Suzy. Bon, je m'appellerai Suzy pour lui. Suzy? Oui, c'est moi. J'aime beaucoup. Et tu conduis une Suzuki, Suzy ou quoi? Ok, alors, vous avez le gilet de sauvetage. Si jamais vous avez un problème qu'on est à la flotte, vous appuyez juste là, comme ça. Sur le téton. Non, je suis coincé. Non, je suis coincé là. Le gilet, il est pas du tout confortable, ma gueule. Vas-y, détache-moi. Je vais pas y arriver, hein. Laissez-moi faire mon speech qu'on décolle, bordel de Dieu. Je suis fatigué. Ah, tu fais rien, hein. Ensuite. Je me force à vomir dans un truc pour dégueuler là. Trop haut, un truc de ouf. Vous êtes trop bien, vous vous endormez. Voilà. Ah ouais. Quoi? Non. Dans mon stuff, il y a marqué pilule de cocaïne. Je veux pas m'endormir. Ok, tu prends une pilule de coke. Vas-y, fais péter le stuff. Toi, tu t'endors. D'où ça existe les pilules de coke? Je sais pas, j'en ai une. Toi, tu t'endors. Voilà. Non, j'ai pris une pilule de coke. What? Ok, vous prenez vos pilules, vous êtes trop bien. On est. Et l'avion va démarrer, attachez vos ceintures, et prêt à partir. Bordel de merde. Vous avez le petit voyant rouge qui s'allume, vous bouclez vos ceintures. Attention, l'avion va démarrer. J'ai mal au cou, wesh. On n'est pas dans la mer, ça me sert à rien. Eh putain, sérieux. Vous avez l'avion, il démarre. Vas-y, tiens, j'ai du Viagra, tiens. Oh putain. Oh, non, c'est toi qui a kiffé l'hôtel, tiens. La pile de Viagra. Elle est trop bonne, les mecs. J'ai la Vous avez tous pris vos... sérieux, vous avez tous pris vos pilules, vous êtes bien. Maintenant, vous avez l'avion qui décolle. Ok. Voilà. Ah, mais l'avion je pense décolle. Que ça fait mal. I'm gonna fly. Vous allez avoir le boss là qui va pop d'ici quelques petites secondes si vous continuez. Ah merde. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Très bien. Donc l'avion prend son envol, prend sa vitesse d'altitude. Ah, on monte. Vous avez une petite musique dans l'avion assez sympathique. No more. Vas-y, je crève le truc. Vous avez les anges qui vous regardent. Les cinq rastas qui vous regardent avec un air dépité. Ganja man. OKNM Jaman, hein. Je pop mon aura de ouf. Ouais. Ok. Mais genre, je bande mon aura quoi. Tu bandes ton aura. Ouais. T'as les cinq qui prennent aussi leur aura qui pop. Pac. C'est du bleu. Un bon bleu azur, bien sympathique. Allez, t'as fui à l'OH. Moi, je me lève direct, mais d'un pont parce que j'ai le chapiteau du coup. moi aussi. Donc, donc je me rassois. Ok, très bien. Ouais, c'est tout ce que je fais. Oh, non. Non, mais l'hôtesse, elle est bien trop bonne. Tu m'as filé, bâtard. C'est de la bonne. Oh là, l'hôtesse. Ouais, mec, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, moi je suis chaud, Oh, l'hôtesse. Boris, Boris a soif. Oui, qu'est-ce que tu veux, attendez, Boris? Les mecs. Boris, j'ai une bête idée. Quoi? Ah, je vais filer la nymphomanie à l'hôtesse de l'air. Oh oui, s'il te plaît. Ce sera peut-être ma seule sonde. Ah, les toilettes de l'avion. Direct. Je crois que j'ai pas de toilette dans l'avion. Quoi? T'es sérieux? Sur OKLM Airlines, ça m'étonnerait. De vol, quoi. Ouais, bien sûr. New York, Los Angeles, Bali, sans chiot. Tranquille. Mais la porcherie. Ok, qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais ce que tu vas faire. Vas-y, balance ton jet de dés. Allez. Un infomanie ou quoi? Oui, vas-y. Et toi, tu dis pas que de. Fais-moi un jet de chiot. Vas-y. Allez, moins 10, c'est une putain d'humaine. Oh, ça passe tranquille. Ah ouais, vas-y. Et l'hôtesse, je lui dis, non, vas-y, lui, il te plaît pas, même pas capable de baiser avec lui. Ouais, moi, je me rapproche. Ok, fais-moi un jet. J'ai toujours sa pito, je vais vers elle. Oui, ça passe tranquille. Tranquille. Bonsoir. Suzy, c'est ça? Vous avez les anges qui plissent les yeux. Ah, il va lui mettre ta tête. Il est en train de faire caca, l'ange. Et l'ange est en train de faire caca, wesh. Salut, toi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu baises? Ouais.
j'ai vraiment envie tout de suite là maintenant. Bah viens, on va aux toilettes. Aux toilettes. Ou putain, c'est vraiment un truc de ouf que t'as envie là tout de suite. Hein. Bah, c'est vraiment bien, c'est vraiment ouais, bah, je vais aux toilettes avec elle. Ok, très bien. Du coup. Et moi, je me lève et je gueule. L'hôtel, c'est trop de salope, wesh. Attends, je suis quand même un peu stressé parce que je suis pas l'habitude là. C'est quand même la première fois qu'on accepte. Ça marche. Converse avec moi. Ouais. Donc en fait, au moment d'arriver aux toilettes, j'ai trop peur et je retourne en arrière. Je retourne. Mais bâtard, t'as pris du Viagra. Tu fais pas d'affaire. Non, j'ai trop peur. Mais attends, mais toi, mais tu veux pas rester un petit peu en étoile? Mais t'es comme un labrador devant un mollet, wesh. T'en peux plus. T'es là, tu te frottes quoi. Tu te prends ta saguibole quoi. Bon bah du coup j'y retourne, il m'a convaincu. Ok. Donc tu vas dans les toilettes. En fait, c'est pas Suzy, en fait, il s'appelle Olivier, en vrai. Comme par hasard. Au moment où tu commences à faire ta petite affaire, tu vois qu'effectivement, il y a quelque chose qui devrait pas être présent. Mais c'est pas grave. Il y a Anguille dans le paquet. Ah, tu vas quand même, très bien, tu fais ton histoire. Il y a Anguille dans le paquet, quoi. Ouais, il y a Anguille sous buisson. Il y a Anguille sous buisson, quoi. Vous ne savez absolument pas ce qui se passe. Donc tu fais ta petite affaire avec Olivier, et vachement bien. Bonsoir. Voilà, t'as fait ton affaire, tu mais sors, Olivier, t'es vachement content. Non, moi je m'appelle Boniface de Gaulle. Pardon. Ah oui. Vous le voyez revenir, aucun avec rapport, derrière, l'hôtesse qui remet un peu son petit chapeau. Ah, c'était bien. Ah. Étonnant, mais bien. Mais c'est dingue, c'était pas la bonne, non? De quoi la bonne? C'était pas la bonne. De quoi la bonne? Bah, la bonne hôtesse. Bah si, regarde. L'hôtesse bonne, en fait. Bah si, elle est bonne. Enfin, il est bon. Qu'il la trouve et bonne. Je regarde, oui, est-ce que j'ai un bonne, doute ouais. Ah, non, en fait, je me suis peut-être trompé. Vas-y, même pas capable de lui filer une pilule de Viagra, ouais. Non, fais pas ça. Faut voir si l'hôtesse, elle a la gueule. Tu vois les anges qui vous regardent. Non, les mecs, les anges, on s'en bat les couilles. De toute façon, si jamais ils font n'importe quoi, on les défonce. Mais là, il y a combien d'heures de vol? Il y a combien d'heures de vol? On reset la part. Oh, vous avez pour 15 heures. 15 heures. Ah, on va y avoir le temps de rigoler. Il y a 15 heures de vol. Pourquoi il est dans cet état-là, lui, en fait, depuis tout à l'heure? Bah, c'est au calme. Il y a un petit vent frais. Petit effet qui se coule, là. D'accord. Les mecs, on va jouer un jeu. Vous imaginez à quoi je pense? Vas-y, il est en train de passer un gros champ de ganja, ouais. T'as l'ange qui arrive vers vous, qui se lève. Il vous regarde. Bon, les gars, ça va ou pas? Ça va et toi? Qu'est-ce que vous foutez là, bande d'enculés? Je vous pose bien la question, je vais faire un petit voyage tranquille là. Pareil, on va en vacances à Bali. Mais je connais moi, Tiger Beer, moi t'as vu, je connais moi. Mais il est tout pourri dans le t-shirt, wesh. Ah, oui, t'es sûr, il pas bien payé de ce côté-là. Non, le mec il a pas de coupe. Elle est plus grave la dingue ce t-shirt, wesh. Vous voyez, il commence à se contracter un peu. Faites-moi tous les quatre. Moi j'ai de chance, s'il vous plaît. T'as envie de chier, bon? Ah, j'ai dit quoi? Ah, j'ai la diarrhée ou quoi? Vas-y, donne-lui la diarrhée. Je casse direct. Moi, si se contracte. Ah, 0-0-1. Ok. 41. Tout le monde réussit, moins 20? Facile. Ok, bah il se passe rien, il se contracte, mais ça se passe rien. Je peux lui filer la chiasse parce qu'il se contracte. Ouais, vas-y. Oh les mecs, on va faire rigoler encore. Franchement, Lisanne, c'est vraiment des bonus. Franchement, c'est le meilleur pouvoir du monde, les mecs. Allez, balance ton jet de chance. Je suis béni des diables, Oh. T'es sérieux, gros? Il te regarde. Bon, écoutez, les gars, dans l'avion, il peut rien se passer. On se retrouve à Bali? Pourquoi il peut rien se passer? Pourquoi on se retrouve à Bali? Tu vas parce faire quoi à Bali? Va à Bali, connard. Vous allez à Bali? Ouais, mais tu vas faire quoi? Moi j'ai pas. Non, en fait, on va à Singapour. Ah ouais? Ah, mais t'as un gros bolos, t'es gouré de vol. On s'est trompé d'avion. Ah putain, on s'est gouré de vol. Il va à Singapour, c'est bon. Ah oui, il va à Singapour. Ah, frère, pas de bêtises. Qu'est-ce que tu vas foutre à Bali? Pendre les mecs. C'est écoutez, je sais pas, j'ai profité un peu de. Ça, c'est un lieu sympa. Tu vois, mais c'est pas Bangkok, ma gueule. T'aurais pas préféré aller à Amsterdam, wesh. C'est pas Bangkok, wesh. Ah, j'ai des ordres. Comme vous, hein. Ah, t'as des ordres. Eh, vous allez au 10ème temple. Non, vous y allez aussi? Dixième temple, attends, il est où déjà? Il est. Putain, il était dans le 10ème temple à partir de la gauche. Ouais. Je me rappelle plus du nom. C'est Gudun Kavi. Non, 10ème temple à partir de la gauche. Non, il faut. C'est le jeu des contraires. Tu dis tous les contraires. Attends. Mais inversé. 10ème temple à partir de la gauche, gros. Ok, donc le 10ème à droite, c'est ça? Non, parce qu'on pensait que t'allais penser. On pensait l'inverse. Du coup, on a dit gauche pour que tu penses droite, mais qu'en fait c'est gauche, mais que tu vas penser droite. Fatigué. On va faire quoi maintenant? Ah, tu vas faire quoi maintenant? Attends, on peut le défoncer là, ouais. Il est tout seul. Ah oui, tout seul, enfin il est au milieu de plusieurs centaines de passagers quoi. Ah non. Je vais voir les pilotes. C'est fermé, t'as une porte. Non mais ok, j'arrive devant la porte. T'arrives devant la porte, S'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il y a un petit truc comme ça? Hé, viens. Non, il voit pas vraiment.
Rochefort, ouais. Sinon, vas-y, j'arrive, t'arrives. Ah merde. Bon, on va à l'avant, on va voir les pilotes, on va voir les pilotes. Moi, j'y vais en catimini comme ça. Ok, t'allonges, qui te suit. Allez. Il a une idée face de gland, wesh. Ok, donc t'arrives devant la porte qui est fermée. Excuse-moi, t'es pas capable que de nous ouvrir la porte. Hey, toc toc. Les pilotes, t'es même pas capable de nous ouvrir la porte pour nous laisser conduire l'avion. Fais-moi un jet de chance moins 50. Allez, parce que t'allonges. Allez, facile. Facile. Facile, facile, facile. Et oui, okay. Et les roues, c'est normal. Désolé pour les roues. Oh, c'est sérieux. Non, mais voilà aussi, le MJ, il est vendu, vendu. Sérieux. Vendu. Dis-lui qu'il est pas capable de péter sa porte avec une hache. Vas-y, réessaye. Okay. S'il est allemand, tu peux essayer quelque chose. Eh, même pas capable de faire un looping, le pilote, tu es connu. Non, il est pas capable. Ah, carrément. Il est pas capable, toujours pas. Combien de temps avant l'arrivée, là? Là, maintenant, vous êtes plus qu'à 10 minutes, là. On vous demande de vous on est déjà arrivé. Le shortcut. Elle déchire mes pilules ou pas? Pas mal. J'ai pas vu le temps passer. On est d'accord. On est d'accord. Ça fait 15 heures. On discute avec les anges. Ils sont sympas. Ils sont bien. Vous allez vous asseoir. Vous avez la petite lumière rouge qui arrive. La petite voix qui vous dit attention, descente de l'avion. Atterrissage à Denpasar dans quelques minutes. Moi, j'ai mal digéré le poulet. Je lâche une énorme caisse. Je lâche une énorme caisse. Très bien. T'as une petite vieille à côté qui te regarde. Les gars, sérieusement, même si mon accent fait pas sérieux, mais sérieusement, on fait quoi? Parce que là, il y a quand même des anges. Mais on s'en bat les couilles, non mais quoi, ils vont nous défoncer. Non mais tranquille, on leur casse la gueule à la sortie. On a des fringues d'or. Mais quoi, la sortie de l'aéroport. J'ai Boris. Mais d'accord, on leur casse la gueule où? J'ai On les fuit, on les follow. Je sais pas, genre, moi, je vous propose un truc. On arrive, on leur pique leurs bagages. Genre, on prend tous les bagages qui sortent. Mais tu sais quel bagage ils ont? Mais non, mais on prend tous les bagages. Ils vont forcément venir et là on les rencontre, on leur défonce la gueule. Pendant qu'on prend les bagages, il y en a un qui va louer un camion. Parce que faut mettre les bagages. Mais du coup, ça fait qu'on est trois. Bon, c'est facile, trois contre des anges. Enfin, mais quatre. On est quatre. Parce qu'on est Boris. Mais t'es con. Cinq, on est Boris. Ouais, cinq. Putain, Zambicel mathématique. Cinq Boris. Cinq Boris. Très bien. Donc on sort en premier, on se met directement au début. Ouais, genre, on pousse tout le monde. Ouais. Oh, ouais. Casse-toi. Ok, bah pour l'instant, vous êtes attaché avec votre petite ceinture, hein. Vous avez l'avion qui descend. De toute façon, on n'a pas de bagage à main. Ah non, on n'a pas de bagage à main. Ouais, moi. Vous posez. Tranquille. Exactement, avec un petit bruit bizarre. Très bien. Attends, j'ouvre 2-3 points de ma blessure, là. Ouais. Pour pouvoir tirer le flingue comme ça au bon moment. Ah, tu vois, genre, moi, malin. Mais genre un holster de poumon, ça. Ah ouais, ils s'affondront pas, c'est clair. Ok, discrètement, donc toi t'as ouvert ta blessure. Ok, très bien. Vous arrivez. Et il a un holster de poumon, ouais. Vous atterrissez, enfin. Après, c'est pas trop tôt, il est 15h, je les ai bien dans les pattes, quoi. Effectivement, il est 15h à Denpasar. Il fait 32 degrés, ça tombe bien, très humide. Terriblement humide. C'est humide. Tout à fait. Hey, je vais voir une petite meuf dans l'avion, je fais, t'es bien humide, mademoiselle. Effectivement, elle est humide, elle est vieille, elle est dégueulasse, elle transpire, ça pue, c'est une horreur. On dirait c'est le petit bleu, wesh. Voilà. Vous avez le petit voyant vert qui s'allume en face de vous dans l'avion. Vous pouvez enlever vos ceintures. Ah. Maintenant, on va demander aux passagers de première classe de sortir en premier. Moi, j'y vais. On y va direct. Cache, on rush. Rush mid. Vous avez des gens avec un costard qui se retournent. Oh là, je t'avais là-bas. Il y a des mecs là-bas qui sont en train de vous insulter. Fais-moi un jet de chance, moins 20, s'il te plaît. Raté. Bah, mais non. Et il avance devant vous, tranquillement. Je lui mets une pêche, je passe. Ok, tu lui mets une pêche, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Ah oui. A réussi. Très bien, tu l'assommes, il tombe, pof. Moi, je le démonte par terre. Non. Tu le démontes par terre. Je le démonte par terre. Il va y avoir des policiers. Autour de vous, t'as des policiers. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais voir la police. On se calme là. C'est lui, c'est le camp Jaman. Il a frappé mon nain. Je le démonte. Ok. Je le démonte. Tu démontes qui? Le mec par terre. Tu prends ton nain et bim. Je démonte. Ok. Je suis désolé d'avoir provoqué ça. Tous les quatre, vous sentez une dose de bien-être, de non-violence là, qui se défère dans l'avion. Non. Vous êtes bien assis, vous êtes bien là.
Oh non, pas j'étais encore. En train de le démonter. Oh non, 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 non. Vous avez les 5 ans. En train de le démonter. Ça fait la moitié de l'aventure. Je suis dans le gynéco. J'en ai rien. Démonter. Les 5 ans. Je le démontais là. Tous là. Je lui mettais sa mère comme ça là. Non, mais là t'es bien. T'as envie de frapper. Et ton papa à toi, c'est un gangster ou pas? Mon papa à moi, c'est un gangster. Ouais, je croyais bien. Vous avez ma mère. Les 5 ans. La mauvaise. Ils sont là en train de pomper leur pouvoir. Moi je suis sorti de la maison. Et ils sont en train de faire caca. Eh, venez les mecs. Oh, on y va. Eh hey, mec. Bon, ça mais c'est du hop, les mecs. Allez, on y va. Ah non, vraiment, vraiment, on va y aller, quoi. Non, c'est très grave. C'est très grave ce que j'ai en train de faire. Je me barre, je vais louer des fous. Là, qui veut y aller, là. Ah, faut arrêter ça. Ok. Là, bon, moi, je suis aucun malade. Aucun bon. Tu arrêtes tout de suite de faire le coulibaly, hein. Non, ah je suis choqué, bon, quoi. Je suis en quinconce. Je pars en quinconce. Je marche en diatance. La diatance. Tu marches en diatance. Vous sortez de l'avion. Les uns après les autres. Vous arrivez. C'est pour la blague. Sur un long couloir. Voilà, ouais. Vous arrivez devant un long couloir. Donc. Voilà, hein. Vous avez les passagers qui sortent en même temps que vous. Vous passez devant un petit contrôle. Vos visas et compagnie. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Je t'ai dit, moi, non, je vais avoir un Kiloutou, là, ou je sais pas quoi, pour louer. On a toujours le fond de fond le truc on ça se passe comment en fait. Vas-y, va louer une bagnole, bien, on se casse, on s'en branle. C'est normal. Je vais avoir un truc là pour louer. Enfin, tu vois quoi. Effectivement, t'as le kilotaille. Les indigènes, n'est-ce pas, hein. Qui est juste en face de toi. J'y vais. C'est la pire saison. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous prendre 4 chevaux. Des chevaux, on n'a pas ça, non. Pas kilotaille. Vous avez des bagnoles quoi? Des voitures. Kilotaille. Est-ce que t'as un scooter? Est-ce que t'as un scooter? Oh, un scooter. Ah, j'ai des scooters. Mais vous n'êtes pas les mecs. C'est moi qui loue. On prend des petites motos. On prend des petites motos, oui. Des petites motos. On va chercher un scooter. On va chercher le scooter. Ah oui, il y a des motos. J'aime bien les scooters. Tu montes avec moi sur le scooter. On prend 4 petites motos. Avec Boris. Des petites. Ouais, des petites motos. Non, des petits pioui là. Ah, ok. Nous en avons 5 en fait. 5 petites motos. 5 petites motos. Ok, vous voulez 5 pas là, va te faire foutre. je te propose de loin. Même pas capable de prendre 5 petites motos. Ok, 5 motos. Ok, 5 petites motos, très bien. Il te demande un peu de thunes. Ok, je lui donne. Il prend tes dollars. Ok, et tu me barres avec les motos du coup. Non, il te donne 5, il vous donne 5 clés. Tenez, okay. C'est sur le garage juste à la sortie. Tu prends les motos. Ok, c'est dehors. Ok, très bien. Tenez vos clés. Et j'en garde 2. Attends, garde d'eau. Voilà. Moi, je prends celle qui est rose. Si on a une. Il y en a une rose, bien sûr. Du coup, il y en a un de nous qui a pas de clé, quoi. Ouais. Il a pris 5. On est 4 connards. Ah, putain, vous avez du mal. Ouais, mais 5 moins 2, ça fait 3, quoi. Mais je le vois ou pas? Tu le vois ou pas? Je peux pas conduire, hein. Tu sais, je peux pas bouger les mains, moi. T'en es sérieux? Bah ouais. Tu m'as. Enfin, je peux bouger un peu, mais je peux pas conduire. Ouais, tranquille, quoi. Ah, non, c'est pas pour ton main, là, cinquième. Faut que tu me poses juste derrière ton copain, là, à côté. Non, il faut que tu me places juste à côté de ton copain. Non, je le mets dans le panier devant, là, le scooter. C'est pas okay. C'est une petite moto. C'est pas un... C'est un Piwi, un scooter, putain de merde. Moi, direct, non, je le mets dans le panier devant. Il y a un panier. Ah oui, il y a un panier. Il y a un panier. Moi, je fais une roue avant. Direct. Exactement. Pour faire le marché, parfait. Ils vont tous en moto faire le marché en la Bali. Je le mets dans le panier devant. Ah, le sous-pays, quoi. Je le mets dans le panier devant pour... Bah, genre, pour faire la circulation, quoi. Vous êtes prêts, on peut y aller? Ils sont tous sur leur moto ou pas? Ah oui, oui, bah non, je sais pas, okay. Votre moto. Ouais, moi je fais une roue arrière. Ok, stop. Vous êtes prêts, les mecs? Ouais, okay. On y va. Très bien, je brûle la. Ah non, attends, attends. Ah, on sait pas où c'est, faut aller à l'agence. Pas, à l'agence de tourisme. À l'agence de tourisme. Mais non, quoi, c'est bon, ça va. On cherche le temple. Temple. Bah, dans la première ville. Temple du soleil. La cité d'or, la cité d'or, la cité d'or. On cherche la cité d'or. Y'a personne en face de toi. La cité d'or. Je brûle la cinquième moto. Ok, tu veux sur le parking comme ça, normal? Ouais, et puis on se bat. Ok. C'est pour. Non, non, il y a une chanson de Soprano, c'est. Tu brûles donc la cinquième moto. Et derrière vous, vous voyez les 5 rastas qui arrivent, pareil, avec des petites clés roses, et qui se dirigent vers les motos, également. Ah, la cour pour. Tu vas voir ce qu'on va faire de ta moto. Et je lui montre la moto qui brûle, pour être sûr qu'il comprend. Il comprend, il fait. T'inquiète, mec, pas de soucis, mec. Ok, que fais-tu? On a des petits casques. Bah, on roule, à la bien. Vers les pyramides. Vous allez vers les pyramides. Ah, absolument pas où c'est. Si, bah, moi j'ai dit j'allais à l'agence du tourisme. C'est pas loin. Ah ouais, non, non, j'ai une idée. Bah oui, vous êtes à l'aéroport, non, j'arrête le premier passant. Ok. Salut, mec.
Tu vois un mec en chemise hawaïenne. Bien, cool, ok, comme on dit chez nous. C'est où le temple? Mec, t'as Bali, il y a des temples partout. Non, le temple. Le dixième temple. Et te fous pas de ma gueule. Sinon, je t'éclate la gueule. Ok. Attends, c'était quoi, c'était? Le temple de Guru Bashi. Ouagadougou. Il faut que t'ailles vers le... Vers l'ouest, tu vois. Non, attends, stop. Il est où l'office du tourisme? Ah, l'office du tourisme. Ah, il est juste là, derrière la troisième maison. Tiens, je savais pas que se parlait le balinois, moi. Ok, vas-y, c'est sur toi. Il est anglais. Oui, je suis de moi. Do you know where is the office tourism? C'est pas vrai, je reviens et je t'enfonce mon nom dans le cul. The office of the tourism. Ouais, très bien, j'adore avoir les des nains dans le cul. Ouais. Tu veux essayer là tout de suite? Non, c'est bon. Moi, ça me botte comme ça au milieu de la rue, je trouve ça cool. Tu vois qu'il s'en va un petit peu en reculant, te regardant. Voilà. Ok, bon. C'est derrière la maison, apparemment. Juste l'office du tourisme. Un grand hangar et juste derrière, vous êtes censé avoir l'office de tourisme. Office tourisme. Est-ce qu'on attends les gars, est-ce qu'on peut y aller comme des bikers, ouais. Comme des bikers. On y va au ralenti. Il y a un ralenti. Est-ce qu'il y a un ralenti? Est-ce qu'on peut faire un ralenti comme des bikers? Donc on arrive vraiment au taquet. Il y a pas quelqu'un qui a un sort de ralenti? Non, il y en a personne. Mais bon. Moi je descends comme ça. On se coordonne comme des bikers. Comme des bikers. Vous voulez faire comment? Arriver les quatre en même temps? Ouais, et ouais, okay. Dérapage, moi je fais tout ralenti. On arrive tous les quatre, un jet de chance s'il vous plaît. Oh, 0-0-0-0-0-0-0-0. Ok. On a réussi. Et toi? Réussi. Très bien. C'est ma fille. Ça. Vous arrivez devant l'office du tourisme. Ah, c'est réussi. Tous les deux, tous les trois. Vous garez impeccablement en ligne parallèle. C'est impeccable. Est-ce qu'il y a des gonzesses? Toi par contre, tu te rates lamentablement. T'essayes de freiner, mais ça freine pas du tout. Et t'as la moto qui se retourne. Tu t'exploses sur le bitume et tu glisses. Excellent. Quel blaireau qui l'a engagé dans déconner. C'est après ce qu'on est fait. Non, mais ouais. Déconner. Ah, dans ces cas-là, je vais brûler sa moto pour faire effet comme dans les films. T'es genre en mode il s'est éclaté et comme, je crame sa moto. Comme ah ouais, pas mal. Tu fais tomber la moto à l'explosion. Ok, donc t'arrives au niveau de la moto. Ouais. Ce sera fait. Il y a des gens autour, tu savais. Ouais. Ah mais je me suis viandé. Ah mais c'est drôle. Je me suis demandé. Je me suis viandé. Je me suis viandé. Je me suis viandé. Il y a des gens qui arrivent. Ça va, monsieur? Vous allez bien? Ça, ferme-la. Ok. T'es vénère, toi. Allez, ferme-la à tout jamais. Je me suis viandé. Je voulais le faire au ralenti. Pardon. Tu perds 6 points de vie d'ailleurs. Très bien. J'en suis à moins 12. Et aussi l'arrêt de ton pantalon. Ah mais ça j'aime bien. Tu as l'air. Vas-y, fais péter. J'ai moins 6 points. Non, le stylo. Vas-y, t'as regardé écrit avec des dés, ouais. Vous êtes devant l'agence de voyage. Voilà. Une agence très sympathique avec des Indonésiens qui se baladent. Ok, je rentre dedans. On rentre. Moi je rentre dans l'Indonésium. Tu rentres dans l'Indonésium? Ouais. Déjà perdu. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir pour le temple, le dixième. Le dixième. Le temple de Gurubashi. 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 Comment ça s'appelle? Ginunzu. Ouagadougou, moi. Gudin. C'est le temple éloigné des autres. Swilling. Là où il y a un bouquin. Gudin. Un bouquin magique et tout, non? Non. Gounoudou. Je fais des onomatopées jusqu'à ce qu'elle trouve un truc qui a un rapport. Le Gounoung. Gounoung Bashi. Gounoung Bawi. Vraiment? Gounoung Bawi, Bawi. Alors, il est où? Alors, vous allez prendre, il vous sort une petite carte. Vous prenez la tête nationale, hein, voilà. Vous passez à travers des petits villages très sympas. Oubliez pas d'acheter 2-3 trucs après. Non, mais on s'en bat les couilles, les villages, elle est où là? Bon, d'accord, alors ils vous montrent. Y'a pas un saucisson au noix, une spécialité. Une grande ville qui s'appelle Ubud au milieu. Ubud? Ubud. Ubud? Ubud. Non, mais c'est quoi vos noms de monde? Eh, au bout du monde! Là! Ok, Ubud. Ubud. Ok. Vous allez. Donc, vous allez dépasser Ubud. Vous allez prendre un petit chemin, vous leur demanderez où c'est. Et au nord de Boud, vous allez arriver sur le Gounoung Kawi. Hey, merci de l'information, mais même pas capable de dire à une certaine bande de Rasta s'ils viennent vous voir que c'est à l'opposé, wesh. Ah, très intelligent. Fais-moi un jet de chance moins 10, s'il te plaît. Surtout qu'ils ont insulté ta mère. Oui. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Pas mal. Oui. Oh, le mec, il va trop leur raconter de la merde. Alors, ça, mais c'est réussi. Et moi, je lui file la folie. Ok,
vas-y, mais non, parce que sinon ça va pas être cohérent. Ouais. Mais... trop tard, fais-moi un jet. Vas-y, raconte. Moi j'ai pas encore. Moi j'ai pas envie. Raconte. Quoi, genre, il faut que je réussisse. Allez. Ok. Mais non, mais il va raconter le contraire. Non, non, pas de soucis. Oui, alors là, il va les envoyer. Je me charge. Oui, boudou. Je suis du Alzheimer au cas où. Oui, voilà, oui, petit. Aveugle et muet. Ok, fais-moi un vrai défaut. À la base, elle allait les envoyer à l'opposé. Vous faites tout pareil, les gars. Moins 20. Ah bah non. Ça passe. Ah si, enculé. Ok, d'un coup, il fait. Il reparle à Denis. Bon, allez, poulet, tu peux me checker si tu veux, on y va. Il check à côté. Allez, salut. Il check. On se casse. On se casse. Très bien, vous êtes devant vos motos. On a retenu le chemin. Bah, il vous dit que c'était vers le nord, jusqu'à Ubud. Et après, vous allez demander votre chemin. Ubud. Je prends le premier passant qui passe. C'est où, Ubud? Tu vas tout droit, tu prends la route et c'est au nord. Voilà, c'est super. Donc, on y va. Ok. Vas-y, monte derrière la moto, toi. Je monte derrière la petite moto. Vous prenez. Vroom, 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 et juste derrière, vous avez les rastas. Mais... et toujours un parmi les cinq qui se gamelle aussi. Chaque équipe a son boulet, c'est comme ça. Voilà, hein. Et rentre dans l'agence. Vous avancez vers le nord. Serre-moi bien fort. Je me sers bien fort par la taille, tranquille. Il me sert pas assez fort. Ah, donc du coup, oui, toi, t'es derrière lui, en fait. Ouais. Mais oui. Ok, fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Ah, tranquille. Hey, c'est ton téléphone portable, ça, ou quoi? C'est ma grosse bite. Vas-y, j'ai réussi. Tu sens effectivement qu'il y a quelque chose d'un peu dur. Vas-y, réponds à ton téléphone portable, il vibre, là. Réponds. Non, la vérité, tu m'excites grave avec ton petit accent. Et je sais pas ce qui t'arrive depuis hier. T'as un petit quelque mais chose dans la voix. Ça me titille un peu. Hey, c'est pas ton téléphone portable. Non, non, c'est ma bite. Effectivement, ça titille un peu. Non, t'inquiète, c'est ma grosse bite. Elle est bien veineuse. Elle est bien venue, elle est bien chambranlante. Okay. Je m'appelle Jean Brochefort. Je m'appelle Jean Brochefort. T'as cru que je m'appelais Jean Téléphone Fort? Ça veut rien dire. Franchement. Vous avancez. J'adore. À travers cette grande route, vous pénétrez Bali. Les routes de Bali. Ah ouais. Bali. Ah, on s'introduit. Tout droit. Moi, je m'en sers dans Bali, quoi. Direct. Je m'en sers. Vous allez direct à l'intérieur de Bali. Couli Bali. Non, j'ai déjà fait, bordel, j'ai déjà fait. Non, on retire, pardon, où est-ce que est? Okay. J'ai déjà fait. Donc, on arrête cette blague, c'est fini. Sur cette grande route, hein, voilà, vous avez une grande route avec des petits villages à droite, à gauche, des gens qui font de la sculpture, plein de trucs hyper sympas, les palmiers commencent à faire chaud, vous suez. Y a des artisans. Vous êtes bien. Et cette bière, elle sent Cette bière, elle sent la weed. Est-ce que tu t'arrêtes de voir des indigènes? Oui, j'ai très envie d'aller voir. Oui. Ils sont un peu, tu vois, voilà. On va aller voir des indigènes. On communique comment, en fait, avec les gestes. On leur jette des pas petits. Tu lâches le volant. Et fais, Effectivement, vous avez une petite hutte. Enfin, une bâtisse avec des sculptures de pierre magnifiques, etc. Avec trois sculptures de pierre. Indonésiens. Ah, c'est pittoresque. Trois indonésiennes. Ouais, indonésiens. Non, pas indonésiennes. Indonésiens. C'est un peu. C'est des indonésiens. Moi, j'y vais dire. Eh, mais branle de bite, la face de bite, il s'en fout, il baisse des poches. Bah, c'est toi qui bombe dans mon dos. T'arrives dans la hutte. Dans la hutte. Ok, bah, t'as effectivement un indonésien qui te regarde. Hey, tu vas m'acheter ma pacotille? Laisse-moi marchander. Je m'en bats les couilles de ta pacotille. Où le 10e temple, bâtard? Tu veux quoi? Le 10e temple. Le 10e temple. Le 10e temple, ouais. Il n'est pas encore connard. Il y a beaucoup de temples à Bali. Hein. Ouais, mais en partant. Vas-y, non, quand tu parles comme un golmon. Il y a 10e temple. Il y a 10e temple à Bali. Vas-y, combat de golmon. Combat de golmon. Vas-y, vous faites un battle. Eh, même pas grave de faire un battle de rap avec mon pote quand je fais quand une moumou tire la langue. Fais-moi un jet. Fais un jet de chance, s'il te plaît. Allez, bim, dis ce que tu vas faire maintenant. Battle de rap entre le mongol avec sa perruque et l'autre qui sait pas parler. Bon, juste toi qui vas-y, commence, là. Vas-y, vas-y, Jean-Marie, fais le beat. Va vite, tu as mal, et puis déçu. Pas vu, y'a pas une position à la loi. Ouh. À toi, gros. Vas-y, Amali, nous, on aime les personnes nues, parce que vas-y, les nues. C'est la chaleur après de sa vie, quoi. Vas-y, dépose-le, face de gland. Vas-y, vous m'avez saoulé, moi je sors. Hein. J'en peux plus là. Sans déconner. Je sors dans la rue. Je remonte sur la moto. Et tu pars en
4. Sans déconner, ils m'ont saoulé. Vas-y, tu vas où, Son of Anarchy, là, tranquille. Je klaxonne avec ma pioui là. Ok, nous avançons. Est-ce qu'on a mis un son, une sonnerie cucaracha sur nos petites motos? Non, tu l'as pas. Donc, vous prenez cette route, vous dirigez toujours vers le nord. Hein. Ouais. Vous voyez un petit panneau avec marqué Ubud. Voilà. Ah, hein, est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous allez à droite ou à gauche? Non, pas encore. Ah, bah on le suit. Mais non, justement, je demandais le chemin là. Mais il a dit d'aller en Ubud. Mais le mec, tu l'as clashé. Mais t'as non, rien c'est... compris. Mais c'est lui qui l'a t'as clashé. T'as rien compris. Non, mais on a dit qu'on allait en Ubud. Oh les gars, on a vas-y, dit on va en Ubud. On va au bout du monde. J'ai quoi comme pilule là pour me défatiguer? Méthadone? Non, mais prends méthadone, t'es malade. Méthadone. Attends, prends de la kétamine, mec, c'est des tranquillisants pour chevaux. Pourquoi tu vas rouler? Quand tu vas reposer. Oh les gars, je prends de la kétamine avant de monter sur ma moto. Merde. Mais je veux planer. Ah ok, bah tu planes vachement bien, t'es un peu, ça excite un peu je crois, non? Non, non, kétamine, pour cheval. Kétamine c'est tranquillisant pour cheval. Ah ok, t'es cool. Vachement genre, bien. Genre, nickel. Tu vois les arbres, enfin les palmiers qui secouent ici et là, t'as des petits singes à droite, à gauche, t'es trop bien, tu vois des trucs à droite. Ouais, je regarde les autochtones dans les arbres. T'es au taquet. Eh, t'es pas faux. On t'as le nez en face de toi, ils se remuent. Ils sont bien tes piles. Ils dansent. Oh, ni. Hey, j'avais jamais vu que t'avais les yeux violets, bleus. Ça bouge tout le temps. Fais-moi, j'ai c'est chance, un s'il délire. Te plaît. Attends, j'en ai trop marre. Sors mon flingue de ma poche corporelle. Réussi. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Ils ont acheté une chance parce qu'ils tombaient pas dans le CDD là. Et je crève leurs pneus là avec mon flingue. Ok. Bah non mais ils font n'importe quoi, on doit aller au bout de les sérieux mecs. Sérieux? C'est avant, non, dernier avertissement. Et j'ai une question, non, se défoncer sur la route c'est mais un problème, bâtard. Mais tu sais pas, mais tu sais pas ce que tu veux faire là. T'es vachement énervé. Mais... Détends-toi. C'est un problème. Eh non mais je vous dis, dernier avertissement les deux. Non, on va à Ubud. Non mais moi je suis d'accord avec Sophie Fabio. On va au bout ou alors on vous tire sur les pneus. T'es sérieux là? Non mais tranquille, je te suivrai. Donc vous venez. Où tu iras. Et moi je suis derrière toi gros frère, je te suis. Tu viens au bout. Moi je te suis, c'est toi qui conduis. Okay, est-ce que je capte sur mon iPad? Oh bah t'as pas d'iPad en fait. Ah zut. Quoi? Mais t'as un smartphone vachement bien. Ah bah voilà. Mais t'as Google Maps dessus. Ok, alors. Ok Maps, Google, je veux. T'as le... 10e temple gros. 10e temple avec le livre magique. No found. Aucun résultat. No found. Mec. Il vas-y, faut... y a même pas un site illuminati. Mais... Vas-y, on fonce. Non, mais t'es sérieux? Écris un mail de réclamation à Google. Nous, on est sur la même moto, on fonce à Ubud. Plus là, c'est quoi ce délire? On va à Ubud. Vous allez rien à foutre de l'orgueil. Genre, on trace vénère. Okay. C'est impossible. Tous les deux, vous les voyez en train de se barrer. Ils vous écoutent pas. Ils font quoi là? Ils se barrent. On les suit, Hashtag une autre ou pas? Non, on va tranquille, hashtag JPP, mec. Non, moi j'en prends une autre, hein, là ça va. Vas-y, pas. Vas-y, monte sur ma pioui, je te conduis. Non, mais ma caisse. Franchement, Jacques, on s'en bat les couilles, mec. Vous arrivez. C'est le pauvre Kistan, non, vas-y, prends-le, on s'en fout, que ça vaut rien. Vas-y, je monte avec lui. Allez, c'est parti. Vous arrivez. Ah, au bout. Une super ville avec des temples partout. Des balinés partout, des touristes partout. Des balinés. Il y a des odeurs de. Dansant, eux on dit ces habitants de Bali. Des balinés. Des balinés. Des balinés. Des balinés. En fait, t'es pas content du tout, tu vois plein de balinés partout, tu te sens mal. Ah, pas bien. Ah, ça me rappelle pas les châteaux de la Loire, n'est-ce pas? Eh, je voudrais bien un casino ici, ça a l'air d'être des bons gros pigeons. Et vous voyez que d'ailleurs, à côté de chaque maison, vous avez des petits trucs dansants avec des offrandes à l'intérieur, vous avez des clubs, vous avez des verres de shot, vous avez à manger, vous avez plein de choses. Eh, je demande à Face de Gland, comment ça s'appelle les petits bâtons là qui fument pour faire. Vas-y, je m'appelle pas Face de Gland. Vas-y, Boniface de Gland. Du gland, si tu veux. Non, de gland. Boniface de Gland, ça s'appelle comment les petits bâtons qui fument qui font des. Ah, c'est de l'encens. Ah ouais, c'est marrant, ils sont en tapis. Eric sur la bouche. Il faut pas de l'encens pour invoquer les esprits. Oh bah là t'as de l'encens partout là. Vas-y. Wow, c'est spirituel. Oh mec. Vas-y, c'est trop feng shui, Bon, on peut avancer les mecs là. Ok. Donc vous êtes au milieu du wood. Voilà. Il y a des scooters. On est dans le wood. Ils sont toujours drogués. Dans le wood. Non, ils sont bien. Je te jure, j'aurais buté. Wood. Ils sont. Vous êtes plus drogués. Vous êtes bien. Voilà. Non, moi je descends, je suis un beatbox.
Est-ce que je peux aller le buter? Ah oui, oui. J'ai le droit? Ah oui, oui. Tu fais quoi là? Ah oui, oui, complètement. Mais j'ai encore rien fait, arrête de faire HRP, connard. Non, mais j'ai vu ce que tu disais. Sinon, on va encore faire un sondage. Non, tu dis quoi? Tu dis quoi, Jimmy là? Tu dis quoi, Jimmy? Je t'entends. Mais je parle pas, Jimmy. Calme-toi, du coup, j'arrête ma moto. C'est bizarre. Ouais. Hein. Tranquillement, c'est bizarre. Je la mets dans la poche. Il est suspect, tu trouves pas? Je vais vers lui avec un grand sueur, pas de problème. Je sors mon gun, je lui mets genre juste toutes les balles que j'ai. À qui? Lequel des trois? À lui, dans la tronche. Mais toutes les balles que j'ai. Non, 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 attends, attends, excuse-moi. Non, non, sinon il va rager encore. Donc à lui, je lui mets les 10 balles. Non, 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 mais attends, non, non, j'ai lui aussi. Non, 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 il n'y a pas de problème. Personne, en fait. Je les ventre avec, je les ventre avec Boris. Non, 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 mais c'est commencé, je les ventre avec Boris. Je les ventre avec Boris, comme si t'étais une femme enceinte et que ça passait pas. Mais je t'ai ventre avec Boris. Non, non, mais attends, je m'en bats les couilles, je t'ai ventre de bout en bout jusqu'à la glotte. Mais j'appelle Timbo. Jusqu'à la glotte, comme ça, mec. J'appelle Timbo. J'ai retiré. On va faire ça au ralenti pour que tout le monde comprenne. J'ai retiré parce que c'est deux rageux, je le fais pas. Non, 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 je non, fais, non. Je descends la moto, je vais le voir, je vais le faire. Non, non, mec, non. Est-ce qu'on peut y aller? Okay, là, on est dans Jimmy. Un vrai kill move. Là, il y a un j'appelle Jimbo parce que je sens que ça dégénère, j'appelle Jimbo. T'as Jimmy qui arrive. Il arrive par en bas cette fois. Ah, pas mal. Il fait popper son aura. Alors, oh les gars. Sacré entière, Jimmy. C'est quoi votre problème là encore? Non, mais rien, il fait que c'est tout seul. Non, mais il est ouf. Hey, tu peux leur dire d'arrêter de prendre de la drogue, on n'arrive pas à avancer là, dans cette histoire. Hey, la drogue c'est mal, vous voyez. La drogue c'est moyen. La drogue c'est mal. La drogue c'est mal. Voyez. Non mais. On va faire un truc bien. Hein. On est bien. Je vais vous filer une limitation à tous les trois. Limitation. Oui. Limitation de quoi cul. Vous me faites vraiment chier. Donc je vais vous filer. Non mais limitation de quoi? Tu me dis pas sérieux là. Oh, si, voyez, je suis très sérieux. Vous êtes sérieux? Moi ça gagne. Donc du coup, hein, voilà. Il est complètement ouf, ouais. Donc, il a pété un câble, ma parole. Donc, une petite limitation, chacun, hein. Vas-y. Donc, ce qu'on va faire, vous allez vous retourner, pendant que je réfléchis, et Moi aussi, de me retourner. Non, toi, tu restes avec moi. Merci. Vous allez sortir tous les trois. Je peux t'aider à trouver une limitation? Ouais, ouais, ouais. Okay, et public, restez ici, on va trouver une limitation pour chacun d'entre eux. Alors... Alors, faut que tu m'aides. Premier Stropole. Alors, restez bien en ligne, hein, juste avant la pause. Ah, mais si tu fais 3 Stropoles, ça va être chaud. Non, on va faire ça vite. Alors, ça, limitation pour Zab. T'as des idées? Il se transforme en femme. Dès qu'il prend de la drogue, il meurt. Non mais... Il meurt dès qu'il prend... T'as des problèmes avec les i là. Oui, j'ai l'impression. Dès qu'il prend... Ah merde, putain, une drogue. Ah, t'as vraiment des problèmes merde avec les i là. Et... Il y en a partout. Là aussi, là. Ah putain, et hop là. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Bon, c'est tout, c'est bien. C'est bien. Pas de limitation. On va vous laisser le choix. Parce que... Vous êtes peut-être... Non, mais en même temps, on commence à vous connaître, les mecs, vous allez juste... vous allez jamais faire ça. Donc, premier sondage pour Zab, les filles. On commence sur 1, déjà. Le premier. Alors, attention, ce sera très rapide, hein. C'est 5 minutes de sondage. Ah non, mais même pas, puisqu'il faut faire les 3, là. Le deuxième. Alors, on va profiter qu'ils réfléchissent. Limitation pour... Chétan, non, que je n'arrive jamais. C'est A-I-T-W-L. Hop. Chétan, alors, Zbaï, qu'est-ce qu'on lui met? Il devient vieux et gros. Ouais. Ouais. Il devient vieux et gros. Si quelqu'un a des idées dans le public, qu'il y aille. Il se transforme en Marine Le Chen. Ok. Non, non, pas lui, c'est l'autre là. Okay. Il devient vieux et gros. Qu'est-ce que j'adore, sur Chétan? Il bégaye, vas-y, bégaye. Oh putain, il bégaye. Il bégaye. Comme ça, on sera deux gros cons, là. On va jamais y arriver. Il bégaye. Il bégaye. Crête, Paul. Hop là. Et vas-y, et limite chips, vas-y, on te laisse le choix. Parce que sinon, ça fait 3 sondages, ça va être beaucoup. Les mecs, ils vont se perdre dans les sondages. Ah, c'est vrai, ça fait 3 liens dégueulasses. Et Chips. Ça, tu choisis pour Chips? Ouais, non, mais Chips, vu qu'il est mort plein de fois, je vais rester cool. Ouais, on va rester cool. Vas-y, les gars, et votez, ouais. Et votez, on vous laisse, ouais. 2 minutes. 2 minutes. Et après, on va lancer une petite pause. Histoire que j'aille me tuer. Hein, parce que je crois que c'est le résultat du Stropole, c'est ça, je suis mort.
Ok, très bien. Eh bien, ça tombe bien, du coup. On va attendre 3 minutes. Enfin, 2 minutes, parce que sinon, on va se faire chier. Alors, le premier Stropole, on va voir les résultats. Alors, ça, c'est l'imitation pour Zab. Il se transforme en femme. Bon, bah voilà, c'est bon. En Marine Le Chêne, du coup. Celui pour Chétan. Il bégaye. Ouais, Chétan. Ok. On vient tous ici avant la pause. Hop là. Eh, Chétan. Les gars. Eh, Chétan. Eh, Chétan. Et le dieu de la laideur, là, il vient, quoi. On vient tous ici avant la pause. Tu vas être trop vénère, t'as vu. Bon, j'espère que c'est léger, hein. Alors, bon, il se passe quoi? Non, il vous regarde. Parce que tu pleures après. Il a une petite veine rouge là qui tambourine un peu à sa tempe. Il te fait bon, toi, t'es déjà limite, on va pas en rajouter. Hein? Voilà. Toi, il claque dans les droits. Et tu sens des seins qui poussent, une tignasse blonde, toujours le même air un peu hargneux, hein, toujours, hein, voilà. T'es une femme? Cool, tu m'as bonne. Appelez-moi Marine. Voilà. Ah, Marine Le Chêne. Marine Le Chêne. Aucun souci. Voilà, et toi, il te regarde, il fait... Allez. Et tu te mets à bégayer maintenant. Eh, hey, ça va être trop bien de discuter tous les deux. Voilà. Eh, hey, c'est Tan. C'est Tan. Eh, hey, c'est super dur à jouer le bégaiement. Eh, hein, hey, dans chance, sport. Ah, vas-y, tu dis quoi maintenant? Vas-y, vous êtes trop des... Eh, mais moi j'avais appelé, je comprends pas pourquoi c'est moi qui punis alors que je t'ai appelé pour que ça se passe mieux. J'aurais pu faire bien pire. J'avoue que c'est vraiment trop marrant. Tellement galère. Mais vas-y, mais pour dire un truc... Tu peux zoomer sur sa bouche. Vas-y, mais je vais mettre 2 heures à vous donner une information là. C'est trop chiant. Hey, okay. Le Fénard, c'est vraiment le chat qui a choisi ça. On peut pas changer. Vous êtes sérieux à avoir choisi ça? On peut pas changer, ça fait vraiment la merde. T'es pas obligé de bégayer tout le temps. C'est pendant les phases de stress. Mais si, c'est une condition. Peut pas m'en empêcher. Eh, vous savez quoi? Vous savez quoi, le chat, genre le stream, genre. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Vous êtes grand, vous avez le droit de vous niquer la saison. Vous avez le droit de vote. Vous avez fait quelque chose d'irréparable. Vous avez le choix. Zombrosport, détends-toi, respire avant de parler. On va s'arrêter là. Moi, j'ai rien demandé. On se rejoint dans 10 minutes. Pourquoi moi? Vous avez donc Jim en face de vous qui vient de vous balancer des petites limitations. Il vous regarde, il fait maintenant, si vous voulez pas aller pourrir en enfer pour les 9000 prochaines années. Et c'est chiant en enfer, il se passe rien. Mais on veut quand même aller au paradis, Jim, c'est le but de notre mission. Exactement, aller au paradis. Vous venez au paradis, allez, je vous file tous un grade. Hein? Grade quoi? 0? Grade 1, vous allez avoir l'appui en plus, je vais augmenter votre salaire, vous allez avoir un putain d'appart, vous serez bien ça, sur c'est Terre. C'est génial. Eh ouais. Mais alors pour ça, il y a des différences sociales également au paradis? Non, sur Terre, vous allez aller au paradis, Terre, vous allez foutre la merde, vous allez forcément vous faire buter à un moment, okay. Et après, du coup, vous allez retourner sur Terre. Ah, la 7ème vie, la fameuse. Exactement. Pas mal, merci. Mais avec plaisir. Bon, et bien sur ce, hein, je vous laisse, à bientôt. À plus sous le bus. À plus dans le bus. Dans le et bus, il passe ça, c'est intéressant. Par en bas. Bon, bah, c'est une sortie magistrale, donc les mecs, on était en plein chemin pour le 10ème temple. Ouais, par contre. C'est discriminatoire, moi je suis une meuf maintenant. Donc c'est moi qui dois conduire, c'est ça? Ouais. Non, vas-y, tu peux continuer à conduire, okay, ça ira bien. Je prends ma pioui. Les gars, est-ce que ça vous dit, parce qu'on a quand même les anges. Je sais pas comment ils ont cette info, mais ils vont venir au 10ème temple. Mais non, on a rendu fou le guide, on l'a rendu aveugle, sourd, ça et en plus. Non, mais ça vous dit pas, genre un peu avant le temple, on crée genre une sorte d'embuscade, genre on les attend un peu, on voit s'ils arrivent. Mais t'as quoi comme compétence en embuscade? Genre tu sais tendre des lianes et tout? J'ai 90% en embuscade. En embuscade? Ouais. Ah ouais? Pas du tout. Effectivement, tu as 90% en embuscade. Tu es très doué en embuscade. Pas du okay. tout. Ah ok, j'ai une super idée. C'est génial. Ce qu'on peut faire... On le met sur le côté de la route. La il les attire. Il les attire.
Ouais, excellent. Mais après, comment on les tue? Ben, c'est pas grave, je leur file des maladies sexuelles. Parce que comment on les tue, les anges, en fait? Là, on est dans un village où qu'on est. Non, c'est un village, là, vous tenez la route. Corps à corps avec des anges. Autour de vous, c'est la jungle. On a la jungle à droite, la jungle à gauche. Vous avez quelques habitations ici et là, mais assez vite, vous pouvez vous retrouver vraiment au milieu de la jungle. Excuse-moi, sur une grande route. Vous voulez pas qu'on trouve des cougars pour leur. Clairement, comment on bute des anges? Bah ouais. Ah bah comment on bute des anges? Très bonne question. C'est qu'en fait, c'est un peu comme vous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont engendré suffisamment de dégâts pour plus maintenir le lien avec leur corps, c'est-à-dire plusieurs balles dans la tête par exemple, faut les bourriner quoi. Faut les bourriner. D'accord. Ok. Les mecs, on a plus d'armes. Combien de balles? Si. Moi j'ai toujours ma poste. Moi j'ai plus d'armes. Moi j'ai un pistolet, un marteau. Sinon on peut prendre des bâtons. Ah non, c'est vrai. Plusieurs coups de bâton sur la tête, genre ça. On est dans la merde. Aussi. Est-ce qu'ils sont sensibles aux maladies? Ils peuvent être affaiblis, mais pas mourir de maladies. Ah. Si jamais des maladies qui touchent les os, comme les os de verre, et qu'on tape dessus, ça peut aggraver? Ah oui, complètement. Là, tu dis qu'on est au milieu de la jungle. Ouais. A priori, je sais pas si on peut le repérer, mais on risque de recroiser une ville où on est arrivé au temple. Un petit peu plus loin, en fait. Tu voulais toute la route et... Il y a peut-être un armurier. Est-ce que je peux déposer un seau au sol? Un armurier. Qui rend les gens malades au moment où ils passent dedans? On sait pas. Un seau de malédiction, en fait, en gros. Quand il passe dans la genre zone, tu passes devant route. Et il genre quand tu de passes dedans, tu vois, genre une forme de cercle avec une croix, un pentacle. Et quand tu peux essayer. En fait, il faut une maladie qui est, ouais. Qui est transmissible non. Par les airs. En fait, mais vraiment ça, virulente. Ils marchent dessus, ils ont la maladie des os fragiles et après on leur fait un piège dans leur moto et ils tombent de leur moto et ils meurent. Ils ont plus d'eau. Okay. Et après on les fracasse, on les ça finit. Ça vous va ou pas? C'est super, on essaie de faire ça. J'adore. On essaie de faire ça. Moi ça me plaît. Ok, alors faut d'abord bien dessiner. Je propose que c'est à moi qui le fait. Moi, je tends bien les cordes. Et tu tends bien les cordes, ouais, ok. 90%. Alors, de toute façon, une fois qu'ils sont passés dedans, normalement, ils ont les os complètement brisés. Et après, ils sont super fragiles et t'as plus qu'à les juste la petite corde. Et c'est par contre, on n'a pas de cordes. Mais il y a des lianes, il y a la jungle. Il y a peut-être un cordier. Il y a effectivement des lianes. Non, mais moi, je rentre dans la jungle, je prends des lianes. Les lianes, ils vont les voir. Non, mais t'es sérieux? Ah ouais, peut-être. Bah, c'est il faut le faire dans un coin d'ombre. Avançons jusqu'au village. Je commence à dessiner. Ouais, on va au village. Vous voulez faire ça au village? On va au village. Vous voulez vraiment? Parce que on va créer la cohue. On va voir au village s'il y a une boutique. Ok, moi je commence à dessiner le cercle parce que ça prend du temps. Mais non, pas ici. On va au village voir s'il y a une boutique et on fera ça sur la route. Ah, on n'est pas sur la route là? Mais si, mais on avance au village. Putain, il est con. On avance au village voir s'il y a une boutique. Déjà. Depuis t'es une meuf, t'es devenu relou, wesh. Hey, on avance au village. C'est pas la bonne semaine. Ah, ok. Les mecs, donc on avance au village. On regarde s'il y a une boutique pour acheter des cordes ou des knappies ou n'importe. Et ensuite, on continue sur une route. En fait, les mecs, les mecs, excuse-moi. Non, je sais pas si vous êtes conscient que. Enfin, si tu veux des cordes qui sont pas visibles, il faut des trucs en nylon. Genre, il faut un truc de pêcheur. Mais il y a peut-être une donc boutique il faut une boutique de pêcheur. Mais peut-être. Bon, dans au milieu de la jungle. Mais moi c'est super ambitieux. J'adore. Moi, ok, on y va. On va voir si c'est un pêcheur dans le village. On va voir au village. Okay. Monte. Ça se trouve, c'est une ville touristique. Moi, je suis derrière Boniface Deglan. Vous roulez pendant quelques minutes. Vous êtes bien? Vous arrivez devant un petit village, effectivement, des maisons excellent. À droite, des maisons à gauche. Est-ce qu'il y a une enseigne avec un gros poisson? Non. Tu as une enseigne avec effectivement des armes, une enseigne avec de la sculpture. Quoi comme arme? Ah bah vous savez, est-ce pas. Je rentre dedans. On y va, direct. Très bien. Ouais. Salut. Je mets la béquille et je rentre dedans. Tu mets la béquille. Salut. Vos motos tombent. Moi j'ai la béquille parce qu'elle est bonne. Est-ce que. Ah, elle est très bonne. Moi j'ai une grosse question pour l'armurier. C'est un armurier ou une armurière? C'est un armurier. C'est un armurier. Bon, ça change en tous les cas. Est-ce que vous avez des bazookas? Non, par contre on a des super couteaux trop bien. Quoi? Ouais, des couteaux. Ils sont un couteau magnifiquement ouvragé. Hein? Mais genre. Est-ce que vous auriez un Chris? Ah, ouais, c'est ça. Ok. Ah, ouais, c'est un c'est ensorcelé, les gars, faites attention. Je vais vous prendre un Chris. Ouais. Et je voudrais une âme. Une âme qui a souffert à l'intérieur. Ah, ben ça, j'en sais rien. Moi, celui-là, il est noir. Donc, c'est qu'il doit être, il doit avoir souffert. Je le prends. Très bien. Donne le Chris. Et moi, j'achète deux Chris aussi, là. Deux Chris, deux âmes. Bon, moi, je lui demande, est-ce que vous n'avez pas un pêcheur dans le coin? Bah non, en fait, on est au milieu des terres. C'est un peu chaud. Bon, ok, t'as du fil en nylon? Ouais, tu vois sur moi, ouais, j'ai de la glu aussi, c'est bien. Bah, nickel.
Non, j'ai rien, j'ai rien de t'as tout rien ça. De tout ça. J'ai des cordes. Donc t'es en train de te foutre de ma gueule. Quoi? Attends, je menace. Tranquille, on se tranquille. Calme tout de suite. On se calme. C'est bon, non, je menace. Gars, tranquille. Je menace. Mais attends, t'es en train de te foutre de ma gueule. Non, 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 je plaisantais. Une plaisanterie. Okay. Humour, humour, tu vois. Humour. Humour. Calme-toi. Humour. C'est et nous qui avons l'humour. Expliquer. Alors, en fait, ce qu'on a envie, c'est qu'il y a des mecs qui nous suivent. Ah, on okay. veut leur créer une embuscade pour les tuer. Ah, très voilà. bien. Voilà. Est-ce que t'as une idée voilà. de comment on pourrait faire? Est-ce que t'as pas des pièges avec des Chris? Non, j'ai pas de pièges avec des Chris. Tu peux discuter avec mon Chris? Ouais, effectivement, il faut que tu Chris, où est-ce que je peux trouver des lunettes? Salut, Chris, bah... opticien. Oh, le moment de et ça tombe bien, c'est les promos. Une lunette achetée, wow. une lunette offerte. Oh mon dieu, ah c'est saut. Yes. Eh, je te dis, ma... super bien loin, c'est ça. Ma c'est ça l'avantage. Ma parole, excellent. T'as fait le jamais. Excellent. Comedy club ou quoi? Elle était bonne. T'as du très bon. Ah, depuis que je suis le même, t'es du très très bon. J'ai pas mon humour. Ah, ton humour, j'ai pas mon humour. Du coup, mais lui demander comment on fait une embuscade, il va répondre. Vas-y, dis, sinon je te plante. Oh non, c'est pas gentil. C'est pas la bonne semaine. Ah, c'est ta règle? Ah oui. Ah merde. Ah, je suis une mauvaise ah, ok, très bien. Alors j'ai des cordes en. Ah, t'as des cordes tout de suite. Mais ils sont pas en linon. En linon. On va dire en dessous, je le bute. Ok, très bien. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Raté. Tu me tiens à côté, fais. Oh, oh putain! Il se retourne et court à l'arrière de la boutique. Bon allez, barre-toi. Bon, on fouille la boutique. On fouille la boutique. Est-ce qu'il y a des chiens okay. nylon? Non. Non mais n'importe, des cordes. T'as des lianes, on prend toutes les armes. On prend toutes les armes. Ok, t'as des Chris partout. On prend toutes les armes. C'est tout, il y a pas un machine gun. Je prends un gros non. sac avec des Chris au milieu. Très bien, tu prends un sac, tu mets des Chris. T'entends plein de voix à l'intérieur. Oh putain, bah, j'ai une super idée. On les met au milieu de la route comme ça, leur scooter il crève. Je vais faire une à base de Chris. Oui. Mais ça ne marche pas comme non, ça. Ne... Quoi? Ah mais ça va être vachement de temps enterré. Ils vont pas le voir. Il faut les enterrer. Ah oui bah ça va, bah, c'est en terre. Ah d'accord. Bon les mecs, c'est des putains d'anges. On fait une vraie embuscade. Mais ça va le truc que je proposais okay, tout à l'heure. De manière intelligente, on prend des putains de cordes. Ouais. C'est bon. Ouais. On prend des putains de cordes. On prend des putains de craies. Parce que t'avais dessiné comment? Par terre là. Non, dans la terre. Ça dans la terre. Mais c'est une putain de route. Bah, je crois que t'es tombé en terre battue. On est en Indonésie. On est du béton. Ah, ok, on est à Los Angeles. On prend des craies. C'est du béton, ok. Eh, s'il y a des tas de craies dedans. Sinon, j'ai une idée. On tend des cordes avec des cris. Non, mais je prends. Attaché à la corde. Ah, si, on prend un innocent. Je saigne sa peau. Je le saigne et j'utilise le sang. C'est pas gênant. Ça marche aussi. Bon, ok, si tu veux, mais t'as pas d'innocent, là, on est vas-y, on va trouver un gosse. Bon, si tu veux, prends des craies au cas où. Si vas-y, pas... vas-y, je prends des craies, vas-y, c'est alors, bon. Je prends des craies, je prends des cordes. On prend les cris, ok, et vous faites quoi? C'est alors tout. On prend la route et on fait le. Il a pas des sandwichs? Si, il a juste derrière, il a effectivement les petits trucs de fond. Est-ce qu'il y en a au Kerry? Il y en a au Kerry? Mais pourquoi on les attend pas, on les bute? Bah, parce qu'ils sont 5. Et on est combien? Bah, 5. On est 5. 5. Non mais lui tu le tapes, tu l'utilises pour taper, c'est, donc c'est une vas-y, c'est 5. Non mais c'est 5. On y va ou quoi? Vas-y, on fait vite fait, on met des cordes avec des couteaux au bout et puis c'est bon, on se casse. Non mais on fait ça hors de la ville par contre. Ouais, ouais. Ouais, vas-y, on y va. Ok, j'enlève la béquille de ma moto. Ok, t'enlèves, vous avez plus de béquille, prenez vos motos, vous sortez de la ville du coup, c'est ça? Oui. Très bien. Vous êtes sorti de la ville, à nouveau dans la jungle, il fait chaud, il fait moite, vous voyez rien. Et il y a une route en béton. Oui. Ah bah on, donc on a un sac plein de crises. En goudron. En goudron. Béton, c'est chiant. Ouais. On a un sac plein de crises. Oui. Du coup, moi je commence à dessiner. Très bien, avec la craie. Avec ma craie. Tu fais un petit pentacle. Je fais le pentacle, l'invocation. Moi j'ai. Tu fais un pentacle, ils s'arrêtent. Nous on est en embuscade, on leur lance des crises. Non mais il faut qu'ils tombent de la moto. Tu fais ce que tu veux avec tes crises, on s'en fout. Mais on fait d'abord une stratégie. Ok, bon vas-y je continue, donc moi je suis en train de faire mon invocation. Mais, les cris c'est censé être le truc qui tue tu vois dans la stratégie. Moi j'ai un flingue, m'en bats les couilles. Ok, okay. Très bien. Okay. Fais ton pentacle de merde. Alors, le pentacle est quasiment fait. Vous trois, que faites-vous d'autre? Mais moi je me mets en embuscade dans la jungle avec des cris. Moi j'ai envie de me casser, ouais. Dans la jungle avec des cris. On attache vite fait des cordes, genre à hauteur de pneus. Mais non, parce qu'on les tue de manière péremptoire comme ça. Péremptoire au-dessus des pneus, tu vois? Ouais. Et pour qu'ils valsent. Okay, parce que pour qu'Emmanuel valse. Parce que. Ah non, pas ils vont avoir la maladie des ovaires, oui. C'est-à-dire s'ils tombent. C'est vrai. Des ovaires. Et après on les finit. Ouais. On les finit avec les cris. Non, on les finit pas, oui, on s'en branle. Mais il faut qu'on avance, nous on en veut. Moi j'escalpe, je descalpe de Dre 2.
Ok, ouais, bah c'est possible. Mais toi, t'interviens en dernier acte, c'est bon, nous avec on les accroche crises. Les cordes. Que faites-vous? On accroche les cordes. On est en embuscade. Vous accrochez les cordes où? À hauteur de pneus, à hauteur de pneus pour que ça basse. Vous les tendez déjà ou est-ce que vous les laissez pendre? Ah, ouais, il est pas con. Oh, Jimmy, t'as un. Derrière, t'as une petite voix, Jimmy, ah putain, les gars. Okay, c'est toi, Boris, c'est toi. C'est peut-être mon Chris. Attends, mais il est visible. Effectivement, c'est ton Chris. On peut pas mettre de la poudre dessus. Non, mais c'est normal que tu sois visible, faut que ça les interpelle. Mais quand s'arrêter. Quand tu roules. Mais vont voir quand tu roules, tu le vois pas. Quand tu roules, tu vois pas les marques. Mais c'est pas Léon, c'est la taille de son pentacle un peu. Vas-y, on s'en branle. Bon. Les côtés ou quelque chose. Ils sont on est prêt à attendre des cordes. On est prêt à attendre des cordes. Ce sont ils sont sans faille. Je prends des feuilles, des arbres, des trucs, et j'en mets un, j'en répartis un peu de telle sorte à ce que ce soit pas visible de loin. Okay, on va alimenter le pentacle avec du sang d'ange. J'adore. Donc on est prêt. Est-ce qu'ils arrivent? Alors si je récapitule un petit peu. On se tient prêt à attendre les cordes de chaque côté. Ouais. Ok. Donc toi, t'as fait ton pentacle. Où te tiens-tu? Moi je suis caché dans un buisson loin. Ok, toi tu fais quoi? Moi j'ai Boris dans une main, un Chris dans l'autre. Okay. Et un sac de Chris à côté. Wow. Ok, t'as ton Chris qui dit plante-moi dans un ange, plante-moi dans un ange, j'adore ça, plante-moi dans c'est un ange. C'est ça, exactement. Vas-y, plante-moi bien profond, exactement. J'adore ça. Ok, toi t'es où? C'est café. T'es café. Moi okay. Avec Boniface. Mais au niveau d'une corde. À quelle corde? Avec Boniface de gland, on est en face, on tire la même corde. On tire la même corde. Ok, enfin, pas tout de suite. Très bien, donc arrête, vous avez ce pentacle au milieu, des feuilles un peu partout sur la route. Et normalement les mecs arrivent avec la maladie des autres verts. Exactement. Non, une corde. Encore, ils l'ont au moment du pentacle. La corde, vous la mettez où? Juste après le pentacle. Juste après le pentacle. Attends, il vient de dire un truc super intelligent. Quoi? Ils ont la maladie d'autres verts sur le pentacle. Ouais, bah, non, du coup on se met après. Dès que tu passes dessus, c'est fini le long. Mais on se met après. Il faut mettre les cordes bien plus loin. Ouais, on se met juste après, juste après. Ouais, okay, après, tranquille. Du coup, on décroche les cordes, on les remet plus loin. Juste après, mais on les décroche les cordes, on les plus loin. Vous avez le pentacle. Mais le pentacle recouvert de feuilles. Pour pas que ça puisse. On est des démons. Voilà, c'est la stratégie. Ok. Attention. Très bien. Vous attendez. Pendant non, à peu près. Je suis pas d'accord, faut les accrocher un minimum. Mais non. Mais si, sinon on va se retrouver embarqué dans le moto. Mais on est des démons, on est trop forts. Mais non, c'est pas mais on est plus fort qu'une moto. Mais ou pas toi, tu dis c'est des pioui, c'est des pioui, wesh. Est-ce qu'on est plus fort qu'une moto ou pas? C'est des petites motos donc oui. Ça va. Ok, on fait ta stratégie. Ok, moi finalement je change de position et je me cache, excusez-moi, je me cache un petit peu avancé, telle sorte à entendre quand les motos arrivent. Parce okay. que sinon, personne ne le saura. Très bien, je discute un petit peu en avant. Je discute avec mon Chris pour découvrir son identité. Ok, salut, je m'appelle Chris. Bonjour Chris. Ça va? Oui, ça va. Tu sais ce que tu fais dans la vie? Non, bah voilà, alors voilà. Moi j'ai sauté du haut de la tour Eiffel, taille Chris. Merci. Ah bah oui, Chris. Excellent. Fais du roller dans une ancienne vie. Ok. Je fais du roller. T'es en train de parler avec ton Chris? Je m'appelle Chris Hemsworth, j'ai un petit marteau, je m'appelle Thor. Des petits bruits de moto. Ça se rapproche. Est-ce que c'est eux? Comment? T'entends pareil? Les petites musiques de Rasta. Ah ça ding ding ding. C'est eux. Calme-toi. T'es très excité. Ok. T'es prêt face de gland? C'est bizarre que t'as fait avec ton micro. Ouais. Les motos se rapprochent. Excellent. Au pire au dernier moment. Ils sont au bout de la route, à 200 mètres de ton putain de pentacle. Attention. Ils accélèrent un peu. Là dans les films, 200 mètres. 200 mètres. 180. 180, 150. 180. C'est des belles pioui. 50. Ils bourrinent leur moteur. 20 mètres. 10 mètres. Tirez les mecs. Go. Tire. Go. Tire. Ils arrivent sur le pentacle. T'as une sorte de petite chose qui se répand dans l'atmosphère, une petite brume un petit peu rougeâtre. Tu les vois qui avancent, qui grimacent légèrement tous les deux. Vous tirez votre corde au bon moment, faites-moi tous les deux un jet de force s'il vous plaît. Oh putain, fais pas le con Philippe. Ah j'ai réussi. Tous les deux? Oui. Très bien, vous prenez la corde et vous la bandez extrêmement fort. Mais vous bandez la corde d'une puissance absolument phénoménale. Ok, les motos traverse le pentacle. Et moi je gueule. Je bande. Tu bandes à fond. Et là, bam, ils se prennent la corde. Vous les voyez s'éjecter dans les airs. Moi je me jette. Le premier qui atterrit avant qu'il atterrisse par terre, je l'empale sur Boris. T'arrives, tu cours, fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. Réussi. Tu prends Boris, tu plantes, t'allonges, tu fais.
Non, pas le nom. Il s'empale. Oh putain, ça fait mal. Il tourne pas mort. Ok, vous avez les quatre autres, pareil, qui s'exposent au sol. Ils ont extrêmement mal, ils ont du mal à se relever. T'en as un qui a le bras à moitié pété, l'autre qui a la jambe un peu tordue. Ah putain, ils sortent leur flingue. Je vais vers le premier, je le crippe deux balles dans la tête. Ok, tu fonces vers le premier. Très bien. T'arrives, t'es à 3 mètres. Tu tires de 3 mètres. Ok, un autre. Bam, bam, bam. Pour être sûr de pas louper. Ok, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Pour être sûr de pas louper. Voilà. Plutôt pour esquiver le tir qu'il va te faire. Eh ben, j'ai raté. À 30 cm de lui. C'est pas grave, parce que... C'est bien que tu rates sur l'immobile. Il te regarde. Vachement efficace. Il te tire dessus. Super de t'avoir tu avec perds. Nous. Et c'est moi qui prends une balle. Mais indirectement, t'en profites également pour l'achever. Tu vis ton chargeur dans son crâne. T'as le corps qui fait un petit poc. T'as une petite onde légèrement bleutée qui s'élève vers le ciel. Toi, que fais-tu? Est-ce que, quand t'as vu que mon Christ est magnifique, est-ce que si je tue des anges, il se nourrit, devient plus fort? Ah oui, oh. Ok, ben moi j'arrive, je prends celui qui a l'air le plus faible et je le saigne. Hop, comme ça. Très bien. T'arrives, il est en train de se relever. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Toi, que fais-tu? Je me jette sur un gars, je le plante. Ici. Je le plante sous la mâchoire. Ok, un jet de dextérité également. T'arrives, t'allonges, il se retourne. Tu le prends. J'ai faim! Tu l'ouvres. T'as du sang qui gicle partout, t'as ton Chris, il commence à vibrer. T'adores ça, c'est hyper sympa. T'as une vague de chaleur à l'intérieur de toi, t'es absolument en pleine jouissance. Toi. Réussi. Réussi, très bien. T'allonges, t'évites ton coup de poignard. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît, moins 20. Pas du tout. Raté. Tu sens une odeur, une émotion absolument divine qui se répercute à l'intérieur de toi. T'es bien, t'as envie d'être en communion avec la nature. Tu regardes les arbres, tu diriges vers eux, tu caresses les branches. J'ai envie de planter un citronnier, wesh. Exactement. Vous, que faites-vous, toi, où il y a un ange qui est mort, un qui est empalé, les trois autres sautent leur gun. Et vous visez. Il y en a un autre qui est mort aussi. De quoi? Il y en a un autre qui est mort aussi. Tu es moi, wesh. Le sien, effectivement. T'as celui qui est mort. Vous avez deux morts, et toi qui est empalé. Mais et qui vient de tirer. Mais ils visent avec leurs bras de verre, là. Oui, ils arrivent à prendre un flingue également. Et comment ils font? Non, mais s'ils tirent avec le recul et leurs bras, ils se désintègrent. Ils ont pas encore tiré. Tirez. Ok, regarde. Tire-moi dessus. Toi, allez, tu vas en tirer plus. Moi, je me cache derrière. Tu caches. Très bien. T'es tout ce qui tire dessus. Ah non, mais. Ils sont deux. Je ne reste pas là. Non, mais je suis pas d'accord. Mais c'est vachement illogique quand même. Les mecs, ils ont les autres verres normalement au premier tir, normalement avec le recul. Enfin, c'est quoi? C'est des 9 mm, c'est des cols. Moi, je fais. Je récupère le nain au travers du corps. De quoi? Oui, très bien. Je récupère le nain. Effectivement, quand ils tirent, t'as les arbres, t'as les arbres, les bras qui se brisent en mille morceaux. Tac, tac, tac. Pendant qu'ils tirent, je fais comme dans Matrix, une roue sur une main, Boris dans l'autre, je contre. Je contourne tous les tirs. Pam! T'en prends un autre. Tu te sens bien. Ok, toi, que fais-tu? Il tire dessus. Fais-moi un jet d'extérité, s'il te plaît. Tu prends les balles, non? Tu prends les balles, très bien. Tu perds 10 points de vie. Toi, tu ouvres les yeux. T'as le nain qui est planté dans un corps d'un ange. Maurice! Je vais lui faire un câlin. C'est Gérard! Mais putain, repente-moi encore, connard! Oh putain, les mecs! Ah putain, il est encore revenu! Toi, que fais-tu? Il en reste encore en vie? Ah ouais, il en reste encore deux! Putain, mais ils meurent jamais! Ils ont des os encore? Ah si, ils ont les bras complètement désarticulés! Ok, je prends mon Chris. Ouais. Est-ce qu'il y a des amis à moi à côté? Des mecs restants? Salut. Est-ce qu'ils sont proches? Non, oui, ils sont plutôt proches, oui. Ils sont plutôt proches? Ouais. Ok, je le jette quand même dans la tête d'un ange. Très bien, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît, moins 10. Ça passe. Très bien, tu prends le Chris, il se plante dans la tête de l'ange. Oh putain, t'as le Chris qui vibre. Oui, descend, ange. Et... Ok, toi, que fais-tu? Je me jette sur le dernier et j'essaye de l'égorger. Tu te jettes sur le dernier, très bien. T'arrives, tu lui prends la gorge, tu l'égorges. Pareil à chaque fois, le petit poc. Toi, tu te trouves au milieu. Oh, salut Maurice! Alors, quoi de neuf? Salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, t'étais en voyage? Bah ouais! Toi, t'es vachement plus sympa que ton autre toi, quoi! De qui? Bah toi, quoi! Enfin, t'étais pas super sympa avant! Ah, mais parfois j'ai des pertes de mémoire!
Oui, en train de parler au nain de jardin. Mais du coup, on fait quoi ici? Bonjour, alors attends, mais d'abord je me présente. Mais je te connais toi, trou de balle. Non, c'est Gérard. Ah mais toi t'es Gérard, mais moi je suis une fille, tu me connais pas. Je reconnais son aura ou pas? Attends, oui. Je te montre mon aura. Sort de mes seins. Mais si, c'est machin. Mais oui, c'est Le Pen. C'est Marine. Ah Jean. C'est Marine, je m'appelle Marine maintenant. Ah Marine. Super content d'être là. Ah, Gérard. On est à Bali, on est en ça vacances. Ça fait plaisir. Oh, trop bien, on va se baigner. On va trouver le temple. On a trouvé l'autre cinéaste qui nous a dit d'aller à Bali en vacances. Ok. Et maintenant, on va dans un temple pour trouver un livre magique. On peut acheter des glaces. Plus tard. Ok. Parce que. Autour de vous, vous avez les cadavres des cinq anges, qui sont tous rabougris d'ailleurs. Hein. C'est comme si la cage thoracique s'était rapprochée de son dos. Extrêmement. C'est comme des petites crêpes. Bon. Les motos qui sont explosées sur le sol. Go reprendre nos motos, on fonce au temple, les gars. Vous reprenez vos motos? Ah ouais. Ils montent derrière. Je regarde s'ils ont pas un truc intéressant. Derrière, ouais, non, mais il y a plein d'autres motos. Ils ont des armes. Ah, mais elles sont peut-être cassées, ouais. Vas-y, moi j'essaye d'en conduire deux. On prend les nôtres. Je monte sur ma moto. Mais on partage une moto. Tu veux conduire? Ouais. Ok, tu veux que je garde Gérard? Tu veux que je garde. Ah, bah on va le poser, hein. On va prendre Maurice sous mon bras si tu veux. Non, il reste avec moi. Ok, tu conduis. Je le mets comme ça, je le prends entre mes jambes. J'ai un porte-bagages. Oh ouais, j'adore cette position, c'est trop bien, merci. Il est comme ça. Il est coincé, quoi. Ok, ah, moi je passe derrière sur la Pee-Wee. Très bien. Vous pouvez être sur votre petite Pee-Wee. Direction le temple. Et vous avancez à nouveau vers le nord. Alors moi je fais des zigzags sur la route et tout. T'es super content. Je klaxonne tout du long. Et effectivement, t'as des petits balinets qui te regardent, ils font wow, c'est Gérard. Coucou, viens nous acheter des putains de souvenirs s'il te plaît. Vous avez des glaces? Ouais, on a des glaces. On peut s'arrêter pour une glace? Ouais, non. On peut s'arrêter. Bon, être chiant. Je leur achète une glace. Très bien, tu leur achètes une glace, ils sont super contents, t'as payé l'équivalent de 10 dollars. Moi je conduis du coup parce que je mange ma glace derrière. Et vous avancez. Vous avancez progressivement dans la jungle balinaise. Vous voyez de moins en moins d'habitations. Et vous arrivez devant une grande vallée. En face de vous, vous avez plein d'échoppes de touristes derrière la jungle qui s'enfoncent dans une grande vallée. Avec un tout petit peu plus loin, vous voyez des grands monolithes. Probablement les temples. C'est là qu'on va ? Vous avez trois personnes qui s'approchent de vous. Yes, massage! Bonjour, c'est Gérard! Les gars, attends deux secondes, les trois personnes, casse-toi, ils sont en train de parler. Ils s'en vont. Les mecs, vous vous rappelez que monsieur Michael Smith, là, il a dit qu'il fallait. Non, mais toi, tu t'en rappelles pas, toi. mais il a dit qu'il fallait être sain d'esprit et je sais pas quoi, pur, pour entrer dans le temple. Ouais. Du coup, nous, c'est un peu faux. Mais ça va. Ouais. Être chaud, mais on peut... Du coup, je pense qu'il faut prendre une des trois gonzesses. Gérard, et dire, vas-y, va faire c'est le bouquin. Gérard, il est gentil. Peut-être on pourra essayer de faire ça. Ah, Gérard, il a quelques péchés à son actif quand même. Attendez, s'ils les empurent, ils peuvent y aller. Pourquoi personne a pris le bouquin? C'est bien. Peut-être qu'il est protégé. On fait ça. Parce que c'est une relique. Ok, vas-y, on va voir les trois personnes. Donc, t'as les trois personnes qui clairement te proposent des massages avec finition. C'est des femmes? Ouais, ok. Bonsoir. Salut. Je suis bien plus belle qu'elle. T'es pur ou pas? Ah, je suis super pur. Tu veux un massage? T'es pur ou pas? Tu veux un massage? Non, vas-y, elle est pas pure. Elle est pas pure, elle va te demander de se laver. Vas-y, on va peut-être trouver Sexy Blood. Elle est pure, elle. Effectivement, Sexy Blood qui est un petit peu volant en tant que touriste. Pas sûr de ça. Tu vois les cheveux roux, une nana avec les cheveux rouges, pas très grande. Vas-y, t'es pur toi ou pas? Ouais, complètement. T'es pur? Non, je crois pas, vas-y, vu ta dégaine. Ah, on a un PNG. Sexy Blood. C'est pas grave. Vas-y, elle a pas de micro. Vous voyez une touriste qui arrive en face de vous. Là-bas. Vas-y, bonjour. Bonjour, tu vois c'est quatre Gérard. Personnes avancer vers toi. Salut Gérard. Vas-y, elle a même pas besoin de se baisser devant la caméra, elle est trop petite. T'es pur ou pas? Ah, mais toujours, 100%. Est-ce que j'ai l'impression qu'elle ment? Moi, elle ment ou pas? J'y crois pas trop. Elle t'a l'air super pure. On peut aller au temple? Vas-y, viens au temple avec nous, on va faire des trucs là-bas.
Ah mais non, faut que je reste pur hein. On peut aller au temple, tu m'accompagnes au temple. Alors moi je veux bien accompagner Gérard au temple parce que lui au moins il est pur comparé à comment tu connais ton prénom. Mais bah, j'ai dit c'est Gérard. D'accord. Et si t'es si pur que ça, même pas capable de crever l'hymen devant nous. Ok, c'est dégueulasse. Ok, ça, moi, t'es super dégueulasse. Je suis parti en 60. Vas-y, moi je pars. En fait, mais c'est la preuve de ma pureté, je vais pas la crever. Réussite critique. Je suis. Oh non! Oh, 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 c'est ignoble! Viens là, je suis folle! Oh, j'ai dit! Bon, cette scène va être cryptée. Il s'est passé ce qui s'est passé. Effectivement, elle était pure. Mais voilà. Non, elle est plus pure, connard. Elle s'est pété le Mais non, elle est pas pure, là. Vas-y, dégage. Moi, je suis parti en sautillant, pure. Tout content vers le temple. Hein. Gérard, je viens avec toi. Moi, je reste avec Gérard, je l'aime bien. Bref. Je suis parti en sautillant vers le temple. Vous êtes parti en sautillant. Gros con. Mais mec, c'est pas de ma faute, les dés, c'est trop puissant. Mais t'es un gros con. Ok, donc bon, voilà. Hein, vous êtes avec cette personne pure. Dans le temple, vous êtes à l'entrée du temple, c'est exactement. Quelle personne pure? Quelles sont les statistiques? Quelle personne pure? Un sur 100. Avec les touristes. C'est chaud. Avec les touristes, avec les grands cheveux rouges. Connard. Voilà. Mais non, elle est plus pure. Bah, si. Bah, elle s'est pété l'hymen comment? Oui, mais bon, elle est toujours pure. Bon, d'accord, elle est pure. La l'auto-fellation, en fait. Ouais. Bref, du coup, vous êtes devant le temple. J'essaie de rentrer. Vous rentrez très bien. Il y a un petit bonhomme très vieux qui vous dit Gérard, t'as pas sonné 5 dollars s'il vous plaît. T'as pas sonné? Je lui donne pour tout le monde. Très bien, tu c'est un temple, c'est comme un musée. Ah, on s'aide pas à un musée. Vous rentrez je peux sur la langue aussi. À l'intérieur de ce temple, c'est en fait un grand domaine. Moi je fais du gringue parce que maintenant que je suis une gonzesse super bien roulée. Enfin. Non mais je lui ai filé 5 balles, c'est bon. Ah, dommage. Très bien. Non mais fais du grand. Tu peux lui faire du grand quand même. Non, je t'ai vu à la télé. Je ne voterai pas pour toi. T'es maréchal de chien, hein, tu restes quand même sacrément dégueulasse. À la limite, tu serais maréchal. Je dis pas, mais. Ok, bref. Donc, vous avez un grand couloir en pierre. Vous descendez. Il y a des petits oiseaux à côté. Un bruit assez assourdissant. Vous avez la jungle. En fait, vous êtes au cœur de la jungle. Vous avez des petites habitations ici et là, mais ça reste la jungle. Vous avancez, vous avez un petit pont qui traverse une rivière en face de vous. Comptez, c'est le 10e temple. On en a passé combien? Aucun pour l'instant. Ok. Je vais vers le 10e temple. Au loin, vous entendez les bang, bang. Vous avez une procession de moines qui traverse. Est-ce que je vois un gong où il n'y a personne qui joue dessus? Tu sais pas, tout ce que tu vois, c'est qu'en face de toi, t'as 5 grands monolithes. T'es aveugle. Je vais voir les moines. Ok. Bonjour, c'est Gérard, je cherche le 10e temple, s'il vous plaît. Le 10e, celui qui a l'écart? C'est ça. Il est pas là-bas. Merci, venez les copains. Bon, bah on suit Gérard. Ouais, Gérard, trouvé. Vous êtes déjà rentré dans ce temple? Ah non, jamais. Pourquoi? Parce que c'est interdit. C'est juste pour le visiter. Mais vous restez à l'extérieur, vous rentrez par l'intérieur, et c'est fermé. Personne n'a le droit de rentrer dedans. Ah bah non, il y a une grille. Et c'est fermé de manière grillale, d'accord. Ah bah oui, il y a une grille. Je fais. Comme au buffet là au grill. Et quel type de serrure? C'est pas du tout. Enfin, c'est comme ça, je suis passionné. Oh bah j'ai la clé là, voilà. Ah vous avez la clé? Oui, oui, j'ai la clé. Ah d'ailleurs, je peux vous voir 5 minutes parce que j'ai besoin de faire un point avec moi-même. Je voulais vous parler. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Oui, très bien. Je la dans un coin obscur, je le bute. Très bien, ouais, très bien. Je défonce sa gueule. Ok. Et je prends ses clés, voilà. Ok. Et toi, tu le vois buter le moine à côté. T'es super vénère. Est-ce qu'il était gentil, ce moine? Non, putain, je vais encore me faire tabasser. T'es pas vénère contre moi, hein? Toi, tu sais pas pourquoi tu reviens, t'es vénère. Putain, j'ai envie de casser la gueule à quelqu'un. Lui? Mais j'ai rien fait. J'aime pas comment tu parles. Ouais, il a dit que t'étais un putain de schizo de merde. J'aime pas du tout c'est comment tu parles, en fait. Même pas capable de suivre la mission. Boris, sans... est routé. Ah, lui? C'est moi un chef? Ou lui? Moi, pas. Rien. Sans quoi? Raté.
Même pas cas de suivre la mission. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je tape sur quelqu'un. T'as une projection de moine en face de toi et t'as des amis juste à côté. Tape-moi dessus qu'on en finisse. Bon, je tape avec Boris sur... Ouais, voilà. Sur le poc, poc, poc. Non, je défonce. Genre, je défonce. Ah bah, défonce. Tu sens le gland, enfin le chapeau là de oui. La capuche. Le chapeau là, qui frappe sur ton front. Le D'accord. Capuchon. Ça me fait mal. Ça te fait mal. Mais ça m'excite un peu en même temps. T'es une grosse bosse. Ok. Faut ça te calme. 70 points de vie. Tu récupères les clés. Ah oui, mais je l'ai déjà. Ah oui. Fait. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode chaotique. C'est putain, je reprends pour tabac. Mais au moins, je lui ai même pas fait perdre de points de vie, what the fuck. Ah si, allez, hop là. Ah, bah voilà, quand tu même. Tu perds 6 points de vie. Ah, quand même. J'ai vraiment souffert pour le maître du jeu. Vraiment. Merci. Pour toi. Merci, c'est affreux. Il y a des fois, les joueurs souffrent. Il faut que les choses s'inversent. Non, mais tu répondras à ça. C'est vrai qu'on a été dur pour lui, c'est vrai. Mais bon. Non, mais on a été dans notre rôle, les gars. Enfin, des démons qui foutent le bordel et qui s'en foutent, en fait. Donc, après, on fait ce qu'on peut. On n'est pas non plus. On est quand même pas très loin de la quête. Ça va. Pas très loin de la quête? Non. En soi, on a buté des anges. J'en ai empalé un sur. Est-ce que tu apprécies l'acte artistique en fait? Ah, beaucoup, moi je l'imaginais en train de sourire. C'était magnifique, c'était magnifique. Je l'ai empalé sur mon main. On a quand même réussi à faire un combo. Ouais, ah, vous avez fait des très beaux combos. On a fait des combos absolument magnifiques. Ah, j'ai beaucoup aimé la nymphomanie. Il y a eu des le côté prostate ouais. Parkinson. Le prostate Parkinson était beau. Un peu mal, t'es pas tout à fait serein au niveau anal. Au niveau anal. Ouais, ouais, quand même, j'espère. Enfin, il est pas bien. Moi aussi, j'en ai vu d'autres. Oh, bon, ça va alors. Mais je peux, alors ça peut piquer un peu, mais c'est pas ça qui me dérange. Hein. C'est vrai, ça va, ça passe. Non, c'est OP. C'est OP. Bon, bah très bien. Bon. Eh ben, tout le monde est encore vivant. Incroyable. C'est déjà incroyable. Tout à fait. Non, il aurait fallu faire un stropole après, savoir dans quoi vous allez vous réincarner, ça aurait été compliqué. Mais bon, on espère avoir réussi à suivre un minimum le scénario. Bah, l'intrigue, elle est simple. Oh. On sort d'une villa, on va à l'aéroport, on va à Bali, on trouve un temple. Tout ce qu'il y a au milieu, c'est que du bonus. C'est ça, putain. Et c'est exactement ça. C'est rien que pour votre bonus. Non, c'est vrai. Hein. Bien sûr. Je veux dire, entre nous, si les gens n'ont pas compris ça, franchement, vous êtes des méga buses. Voilà. Enfin, je vous le dis, je vous regarde dans les yeux, vous êtes des buses. Alors, pour ceux qui ont des joueurs comme ça, inutile de faire un scénario détaillé. Hein. Ça ne sert à rien du tout. Hein. Bah, c'est les joueurs qui font le scénario de toute façon, non? Exactement. C'est-à-dire que vouloir les amener d'un point à un autre, bon, c'est surfait. Voilà. Hein. Des grandes lignes, ça suffit. Un petit mot, Pi? Pi a toujours des choses à dire. Je suis pas blasé, les mecs. Hein. Bah non. Non, mais il y a eu des commentaires comme quoi je serais blasé. Quoi. Non, pas du tout. Il a joué son accent au maximum. Putain, mais Arnaud, et moi, c'est horrible cette image. Moi, je sais. On voit juste ta tête pointée, c'est atroce. Moi, je sais à quel point c'est dur de jouer un accent. Il y a des hashtags à mort chips quand même. T'en vas, là, je sais pas pourquoi. Mais je comprends pas. Moi, je suis arrivé, j'ai fait un épisode, voilà, tranquillement. Mais non, j'ai pas l'air vénère. Pourquoi? Putain, j'en ai marre, je vais m'expliquer avec eux. Allez, vas-y, viens là, il y a la spectateur, mais baisse-toi un peu, il te voit pas sinon. Pourquoi j'ai l'air vénère là? Baisse-toi, il te voit pas sinon. Eh ouais, je suis pas vénère et tout, t'as vu. Désolé, Sexy Blood, hein, c'était pas prévu. Ouais, mais c'est toujours la faute de Shetan, il est amoureux de moi alors j'ai pris par besoin. Calme-toi quand même. Le 1 il est incroyable. Le 1 il est légendaire. Et franchement, chez toi, je pense que ça restera. Il vient d'où ce nain? Un grand moment. C'est un cadeau de mon frère. C'est un cadeau de son frère. On aime Yves. Son frère a beaucoup de goût, c'est un grand homme. D'ailleurs, je veux bien. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Hein. Non, mais je suis pas tendu. Que je te dis que t'es tendu, hein. Tu sors ou je te sors? À un moment, il va falloir décider, il va falloir prendre une décision. Hein. Il va falloir prendre une décision. Il y a quelqu'un qui disait, je suis sûr qu'ils ont fait 10% de ce qui était prévu ce soir, un peu plus quand même. Non, carrément. Alors plus. Écoutez, voilà, on avait 6 pages de scénario, hein, voilà, bon, on en a fait une. On a tous lu le scénario, tu mens, il n'y avait pas 6 pages. Non. Mais ce mytho, moi j'ai lu le scénar. Il y avait quoi? Une demi-page à tout claquer, quoi? Eh ben oui, on s'est pas foulé, mais bon, hein, heureusement en même temps. Eh, hey, Shetan, t'as dit que ma mère c'était une pute? Pas du tout. Sérieux? Par contre, je te mets au défi de me la présenter. Ok! Sa mère est très sympa. Est-ce qu'elle est bonne? Oh non, mais là on dérape là, ah, on arrive, on va voir le. On avait dit
qu'il fallait maman. Est-ce que le dérapage n'a pas été le point central de tout ce scénario en Exactement. Fait, c'est la question, tu vois. Vous ferez du Warhammer, là, il y aura des punitions. Ouais, pour l'instant, on est pas tout à fait dans le trip, mais pas loin. Ouais, 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 tout à fait. Par contre, Sexy Blood, sérieux, elle porte bien son nom, hein. Enfin, mon gars, tu juste l'as pas pour le bloc, quoi. T'as de la compassion pour moi, il paraît, c'est vrai. À quel moment j'ai eu de la compassion pour toi? Ah bah je sais pas, quelqu'un l'a dit. Non. Ah non, 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 je n'ai aucune compassion pour Arnaud. Pourquoi faire? Rien à foutre. Ah. Bon, en tout cas, on reviendra la semaine prochaine avec un nouveau 3 heures pour on espère un dénouement de ce scénario fantastique. Alors moi, je suis super curieux de connaître le dénouement. Je le regarderai en tant que public. Bon, bah, peut-être que j'interviendrai forcément une intervention. Vite fait sur la fin, bien sûr, parce que je commenterai les psys, ça se finira plus tôt, machin, mais je suis extrêmement curieux de voir comment ça se déroulera et de prendre l'intrigue en mode vénère à un moment où il faudra. Ce sera rigolo. Mais justement, t'arriveras tout pile au bon moment. Ça sera parfait. Bon, écoutez les petits gars, on va vous dire du coup la semaine prochaine. 21h minuit, mercredi, si je me suis pas ouvert les veines entre temps. Voilà. Hein ou si je n'ai pas ouvert les veines lui-même. Tu vas mourir à la veine? Peut-être. Ah, peut-être. Bon, ça fait si bon. Ferme-la, putain, il y avoir des hashtags, je suis l'hymen. Enfin bref, voilà. Mais écoutez, à la semaine prochaine, 21h minuit, on vous fait des bisous et bonne soirée. Salut bande de moules. Et le nain. Allez, salut. Ciao.